vont comment on appelle ça, la libérer. Et pendant ce temps, comme on a dit, ok, et tout, et tout, elle coule maintenant sa main sur Snap qu'elle a fait direct à 20h. Tu tombes, on ne t'a pas encore libéré. L'argent n'est pas encore dans le procureur. Tu n'es pas encore là-bas. Tu prends ton téléphone, tu n'as écrit que tu as fait direct à 20h. Ils ont pris ça dans le procureur. Ça l'a énervé, dit qu'il ne veut même plus. Il ne veut plus rien entendre. Son direct à 20h, elle a mis là. Ça, il dit qu'il ne veut plus rien entendre. Il ne veut même plus l'argent, lui, rien. On va quitter devant les a tous chassés. Wow. Oui, il est dans son bras. Il est dans son bras. Tu as un garde à vue, tu n'as pas le droit d'avoir téléphone, tu penses que tu as écrit sur ton Snap. Parce qu'on a dit, ok, tu as coopéré, maintenant on a dit, ok, on est voir le procureur pour réunir l'argent, et là on va réunir pour aider. Quand tu as écrit à mettre en vue, il faut tirer des sons, il faut sortir, si il sort, il fait direct à 20h. Tu n'es même pas encore sorti. Vous là, ne comparez pas l'orgueil avec l'arrogance. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est de l'arrogance, ce qu'elle a. Parce qu'on ne peut pas, nous on a vu ça, et elle a vu ça, puis on a cotisé les 1 million, les gens ont donné ce qu'ils pouvaient faire. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Donc c'est pas de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Je suis désolée pour l'expression. Marion est arrogante. Voilà. Elle est arrogante, et c'est son arrogance qui l'envoie là où elle se trouve. Mais arrogance, c'est plus orgueil, là, c'est pareil, hein, dialogue. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas non, il allait truc. Autant même qu'elle a mis du temps, c'est son poste qu'elle a fait là qui l'a conduit en ce moment. Parce qu'il dit, ah bon, toi tu es ici, tu n'as rien pas encore réglé ton problème, tu prends portable amusement, là, dans sa main, puis. Bon, bref, mon cher. Ah ouais, tu as dit là, c'est tellement vrai, puis c'est tellement normal. Quelqu'un, toi tu es au parquet, ils sont en train de plaider pour toi, comment ils vont faire, ils vont te laisser. Il n'a même pas un. 3 millions même là, il n'y en a pas. Hein? On a négocié jusqu'à le procureur, tous les pardons, là, pour ne pas qu'on dise que le procureur est méchant, il n'est même pas obligé d'accepter ça, c'est maman, il accorde ça. Il n'est même pas obligé d'accepter. Il a été trop gentil. C'est même pas personne, mais il a dit que c'est les jeunes et tout. Les sacs-bas, la même sorte de mais pardon pour elle. À Poutou, même, elle peut donner 1 million. Ça veut dire que le 1 million n'était pas venu dans lui, mais la 1 million, il dit que nous, 1 million, on mettait dessus, on l'a libéré. Et puis lui, maintenant, est-ce d'accord le temps qu'il va envoyer son argent là? Lui, il va récupérer les 1 million, parce que c'était sûr que Esdastor l'a envoyé. Donc, Esdastor a envoyé les 1 million à Truc. Il a fait le dépôt qu'on devait remettre à Poutchou. Je pense que ça allait se passer. Et puis, nous, les 1 million, là, on mettait en paquet donné pour que le procureur, ça l'apaise. Au moins, les gars, ils vont prendre les 2 millions. Parce que ce n'est pas que le procureur demande l'argent, il veut rien. Il veut au moins rassurer. Et puis, maintenant, il allait signer des engagements pour sortir. Dès que ce type-là, tu n'as pas sorti, tu n'as pas poste. Je fais direct à 20h. Tu es sorti. Après, tu rentres, tu es pas à la maison, tu te lèves tranquillement. Si tu fais direct, tu fais. Et puis, même si tu sors, mais c'est que direct, tu as fait. Tu sors là, mais tu te reposes bien. Tu prends tes enfants dans tes bras et puis tu attends 2-3 pour sa fille direct là. Tu es là-bas, tu es au de te concentrer sur ton problème, tu es concentré sur Internet. Les gens d'Internet t'ont poussé à bout, voilà. Faut Starmania qui monte dans leur tête là, c'est ça qui est là. Et quand vous avez un peu de Starmania visibilité, là, on dit, hey, je sais pas, la vie s'arrête ou bien, je sais pas, c'est ça qui est là, hein. C'est ça qui est là. C'est-à-dire que souvent même là, je comprends. Ça, c'est un message. Désormais, là, elle, là, quand elle va sortir, quand on veut t'aider, là, souvent, c'est pas par plaisir pour prendre, hein, c'est pour sauver ta tête. Voilà, donc, ça, c'est le message qui est là. Ça va aller. Ça regarde le nom des autorités. Quelqu'un qui fait c'est vraiment triste. C'est même pas encore celui des toi, tu veux parler de la voix. Les abonnés, là, allô. Ils vont faire quoi pour toi? Allô. Vous venez de recevoir un coup de fil. Vraiment. Ils sont en train d'encore de trucs. Oh non, les abats, là, on a quand même dit merci, franchement. Ah! Pourquoi ils sont ma gueule? Non. Mon cœur est un peu dans la joie. Attends, viens pas parler d'abord si ça se passe bien. Ah, si ton cœur est dans la joie, c'est que nous aussi notre cœur dans la joie là-bas. Ah. Parce que tu veux, c'est une bonne nouvelle. Non, ils sont en train de se retenir en voiture, là, vous nous dites. Non, comme ça. Ils sont en train de se retenir en voiture, attendez d'abord, tout sera officiel d'abord. Il faut y en parler. On a même pause. Non, pourtant, on va changer de sujet d'abord, maintenant que la voiture se retenue. On va prendre le dossier. Je ne dis pas les choses qui sont pas prises. La voiture n'a pas encore bougé. Ah, ok. Il est quel âge, Abidjan? Il est 18h, il doit être 17h, 16h là-bas. Non, il est 16h.
Il est 16h, non? La voiture bouge à 17h, donc il suppose qu'il y a une chance. Ah, ok. Parce qu'ils sont en train de faire tout leur possible. Le procureur était vraiment fâché, mais il suppose qu'il y a une chance. Priez pour elle, pardonnez, priez. 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 Ses abonnés, là, mettez-vous en prière, priez. Que le procureur, son cœur soit touché. Vraiment. Priez pour elle. Vraiment, des abonnés, là, priez pour elle. Priez pour elle. Je vous demande de vous mettre en prière. Tapotez, tapotez. On va avancer comme ça un peu. Peut-être que je vais couper, revenir. Tapotez quand même, parce que c'est mal restreint. C'est pour cela. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est compréhensif. C'est nous-mêmes, on fait les choses qui les énervent. Sinon, c'est nos autorités. Vous êtes nos autorités. On fait les choses qui ne vous plaisent pas. On va changer. On va changer autorité. On va changer. Romain, on dit que tu as porté plainte contre moi. Toi, tu es dans Abidjan là, non? Faut t'asseoir, tu vas aller porter plainte contre moi. Quand ton celui qui te menace et puis tu fuis tes responsabilités là, quand ils vont le prendre là, il a joué ta note vocale ici. Faut te calmer. Ce n'est pas blessé pour toi. Faut aller porter plainte. Faut même pas tu as laissé. Hein? Voilà. Vous abusez des enfants là. Vous pensez, on dit que tu as porté plainte contre moi. J'attends. Tu as abusé à ton moment où tu allais porter plainte contre moi, contre Tiesco, contre tout. Tu as allé porter plainte contre nous. Que nous on a diffamé sur toi, non? J'ai reçu, il vient de recevoir la nouvelle. Mais, j'espère que tu vas prouver qu'on a diffamé. Parce que moi, j'attends juste un petit truc. Quand il est fini là, il y a 18 notes vocales à jouer. Il dit bien 18 notes vocales où tu es impliqué. Toi-même là, si tu t'es pas retrouvé là-bas, faut changer mon nom. Mais pour l'instant, là, il y a mes poses. Il va t'attraper mon cœur, serrer mon cœur, jusqu'à ce que, pour ne pas gâter tout. Revenons sur l'affaire de Yélène. Priez pour elle. Priez, 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 priez. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, tout peut changer. Tout peut changer, on peut la laisser. Et c'est déjà bon. Les trucs vont bien aller. Tout peut changer. Eh bien, bon, donnez-moi une minute, je reviens. Il doit appeler. Ouh, on fait comment? Ah, les abonnés de Mabio là, faites vos prières en tout cas. Hein. Ah, faites vos prières. Parce que là, dans un dernier instant là. Ah, on espère que le pire ne va pas arriver. Voilà. Mais Waka, il y a ton GM qui dit qu'elle est libre. En tout cas, que tout se passe bien seulement. C'est tout ce qu'on souhaite. Quoi? Il y a ton GM qui dit en commentaire qu'elle est libre. Moi, j'ai souhaité pire que la prison même. On dit qu'elle va sortir là, si c'est libre. Les réseaux ici. Non, elle qui dit, on dit. Ça veut dire, c'est pas lui qui l'annonce. Elle dit, il dit, on dit. Pourquoi? La nouvelle qu'il a pris, c'est ce que lui aussi écrit, quoi. C'est un peu les épaules. Qu'on dit que les gens disent qu'elle va sortir, qu'elle sera pas déférée et tout. Tapotez, hein. Peut-être, je vais couper parce que je vous ai montré encore un autre signalement. Quand on vous dit tapotant, tapotant chez nous, nous on préfère rigoler, non? Il y a signalement. Donc, continuez en direct avec restriction sur le direct, c'est pas intéressant. Que la personne à qui tu dois là. Écouter ça, après, peut-être que je vais couper, je vais attendre un peu, me reposer après, relancer. Mais quand tu fais genre, tu es guindé, ou bien tu soulèves les épaules, mon cher, la personne dit, mais moi, mon propre agent, ou bien tu es devant les autorités, ils vont dire, mais toi, tu dois, et puis c'est toi qui ne veux pas, genre, rester tranquille et tout et tout. Non, franchement, désolé. Le faux orgueil, là, c'est pas bien. Ce que moi, je peux dire. Même on t'a pas encore fait sortir. Toi, tu as fait poste pour dire que tu as fait direct à 20h. Voilà, abonné là, maintenant, et même là. Oui, ils sont là, même là. Chacun dans son chacun. Si tu es abonné, toi, tu viens suivre là. C'est-à-dire que. Je dire. Tu là, et là, abonné. Moi-même, tu suis là, il doit, il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas. Mais il faut, il y a la manière de faire. Il y a une certaine manière. C'est pour ça que il dit que même le père, l'affaire de M. Touré là, s'il veut sortir même 100 fois par jour, moi, ça ne dirait pas. Et quand tu dois à quelqu'un, et puis il y a des gens qui te voient sur les réseaux, tu fais comme. C'est toi là-bas qui parle. C'est qui ça? En fait, j'ai des fois. Allô, c'est qui ça? Allô, c'est qui ça? Hein? Ils ont jeté quoi de la dame là? Ils ont jeté qui? Je ne peux même pas, je ne regarde même pas l'écran. Guys, je suis là. On a une restriction quoi sur le direct là, hein. C'est pas intéressant. Donc, apparemment, quand moi je me connecte la journée, c'est pas bon pour moi. C'est mieux le soir, de chez moi, je me connecte. Parce que non, là... on va faire avec. Jusqu'où le temps, les gens vont t'apporter, on va faire avec.
Non, tu sais, quand on dit restreint, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne propose pas aux gens. C'est une punition, quoi. Oui. Voilà, c'est une punition. Ça veut dire qu'on ne propose pas aux gens. Voilà, tu restes comme ça. Non, ça serait mieux qu'on continue de partager. Comme il n'y a pas de proposition, là, partager pour que les gens puissent venir. Partager. On va faire avec. Dans tous les cas, tout le monde est en train de faire des postes. Tout le monde est en train de faire des Oui, mais il n'y a pas de notification, exactement. Quand le direct est restreint, c'est... Il n'y a pas de notification. Depuis, moi, je ne reçois pas des notifications de Waka, mais c'est quand on me partage ou que je reviens. Est-ce que tu as Voilà. Tu as cliqué la cloche aussi, c'est ça aussi. Les deux cloches. Moi, je ne reçois pas de notification. Est-ce que vous avez appuyé sur la cloche? Attends, on y voit pas. Ah, peut-être c'est ça. Par exemple, quand tu appuies sur la cloche en haut, il y a une page qui va s'ouvrir. Bon, pas une page, en tout cas, quelque chose. Donc, le rond en haut, pour tous les directs, tu appuies. Et pour toutes les vidéos, tu appuies aussi, les deux. Voilà. Donc, tant que tu n'appuies pas la cloche, tu ne reçois pas la notification. Tu peux voir dans... Ok, c'est maintenant même que j'ai fait pour moi. Voilà, donc il faut toujours cliquer sur la notification. Elle est beaucoup. De la cloche. Je ne recevais pas, mais chaque fois je partais pour vérifier ceux qui sont en ligne, les lives en ligne. Voilà, c'est quand tu parles, c'est ceux qui sont en ligne que tu me vois si tu ne mets pas la cloche. Elle en ligne, tu ne vois pas. Quand tu tapes son nom et puis tu vas sur sa page. Tu vois que la personne en ligne. On va couper et revenir, c'est mieux. Ah, cette dosée de. Oh. Ça va pas le faire. Bon, d'accord, on coupe et puis on revient. Mais cette fois-ci, on met plus les vidéos. On va mettre en audio. On va écouter, c'est pas grave. On sait qui parle déjà. Donc. Je dois aller voir. Parce qu'on sait jamais. Qui dit ça? Quoi, ils l'ont déplacé? On passe bien. Il n'y a eu pas encore. C'est coupé là. Bibina, il y a quoi? Il y a une nouvelle encore? Non, c'est coupé là. Non, je te présente. Elle est découragée. Non, on va faire ça rapidement. On va faire ça rapidement, on revient. Dès que tu coupes, tu relances le champ. Et tout à l'heure, il y a eu quoi? Faut même pas. Nous avons fait l'anguille tout à l'heure. Ne mets pas 5 minutes. Il y a eu quoi? Non, faut même pas mettre 5 secondes. Il y a les sons. Il y a eu quoi? Waka, c'est juste en fait que tu sois là sur le champ. Coupe, tu as revenu. Coupe, il y a les sons. Moi, il y a appelé là-bas. Coupe. Non, tu dis que tu veux lancer le direct. C'est pour cela que je dis, il y a eu quoi? Lancer le direct. Non. Non, tu m'as. Elle dit, c'est coupé et puis lancer là qui la décourage. Non, elle dit que quand tu as coupé au début là, j'étais impatient comme ça, tu as mis du temps avant de relancer. Non, je vais relancer directement. L'autre là qui est monté, comment on appelle John. C'est John qui est monté qui m'a dit que tu as reçu, comme tu avais reçu une restriction, quand c'est comme ça, tu coupes, ne relance pas directement. Tu dois attendre 5-10 minutes avant de relancer. Donc c'est là que j'ai recoupé encore pour attendre. C'est là dès que j'ai coupé, j'avais relancé. Ah, ça, je t'ai pas vu. C'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais là. Non, faut relancer en même temps. On coupe, tu relances en même temps. Tu relances. Sinon, les gens auront le temps d'aller ailleurs. Ils ne pourront plus quitter là-bas pour revenir. Mais attends, restriction, on est quitté aussi. Je dis que. C'est le visage de Scotty là qui fait. Non. Scotty a la poisse ou quoi? Comment ça, visage de Scotty? Ah, papa, il va me bombarder au pardon. Et si on parle des gens. Il y a pas de bibi à la maca. Oh, vous aussi. Le plus sûr, c'est que si elle va là-bas, elle va croiser Yasko là-bas. Il t'appelle Zeus. C'est qui que Zeus? Ah, il a mis Aya. Il dit je t'appelle Aya. C'est pas notre Zeus. Il est dans les commentaires. Il y a Dieu. C'est l'autre Zeus. S'il m'appelle, il a une cotisation à faire. On dit elle a été libérée, JM. Ah bon? Une cotisation à faire.
C'était la moindre des choses. Tu as une cotisation, donne-moi le numéro. Elle a été libérée, c'est vrai. Vous m'entendez? Elle va rembourser l'argent là des gens comme ça. Oui, vas-y, c'est bon. Elle va rembourser. On doit beaucoup miser pour avoir beaucoup. Ah bon. Je suppose qu'ils parlent de ce qu'ils vont, ce qu'ils doivent faire au Mali d'abord. Voilà. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, Somatis me répond. Est-ce que Mise a déjà été interdit? Oui, Magui, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Donc, Somatis ne comprend pas. Quand sa camarade était fâchée là. Si c'est l'argent là, même 3 millions, il n'y a pas de choco, il y a en train de négocier, Il y a un petit béret là. Envoyez, mettez la vidéo, jouez la vidéo, jouez comme avant. Jouez la vidéo d'avant. La donc, vidéo, il dit qu'il n'a jamais allé au Mali avec Bobo Dizé. Les ouvres, ils n'ont pas de chance. Pourquoi tu n'as pas ça? Oh là là. Là-bas, où il est tout épalé là? Du Mali, là, j'étais pas là, j'étais sur les navires, il y a au moins, il s'y laisse avec, ils ont fait là. Donc voilà, on retourne maintenant sur Cécilia. Attends, je comprends pas, Waka, tu as déjà de c'est parti sur un autre béret. C'est même truc là. Ils ont dit de laisser le truc de Mabio parce que tout ce qu'on sait. C'est donc... fini, elle est libérée, donc on retourne sur les ouvriers. Elle est libérée, hein. Je ne sais pas, ils n'ont pas dit qu'elle est libérée, mais ils disent que. Bon, que elle a pas un coup de fil de la part de quelqu'un pour voir si elle va pas aller. La main fantôme va appeler. Non, c'est fini. Ben, la voiture la démarre à 17h, les 17h10. Je pense bien que les autres sont partis, ils vont régler les derniers détails parce qu'au moins, il faudrait qu'elle donne une garantie. Voilà, donc la garantie là, on ne sait pas. Peut-être elle va mettre en gage. Elle va mettre en gage les BBL. La main fantôme va dire ce truc. Comment il s'appelle même? Tiesco, il est en train de montrer des captures de Ryan et je ne sais quel gars. C'est que Bob Rabat de Bibina disait tout à l'heure là. Qui a dit Cécilia? Elle dit que. Qui l'a répété de elle? Ils sont en train de contredire JM, c'est ça. Bien, il y a vu qu'il autorise Cécilia. Il n'y a pas vos conneries là. Cécilia, c'est il. C'est il. Oh, Cécilia, elle dit que. Elle dit quoi? Énervez-moi de ça. Tiens, ça foutaise même. Comment on peut dire Cécilia, elle dit que. Elle est où? Non, c'est ça. Les gens ont dit que toi, tu es dans notre combat. Il t'entend pas bien. Allez, tu m'entends? Oui, je t'entends.
Voilà. Ouais, je dis que toi, tu es dans notre combat. Que comment est-ce que nous on peut accepter quelqu'un dans notre combat qui est lui-même été accusé pour les mêmes faits qui sont reprochés à Cécilia? Mais ce que tu demandes là, j'ai dit accusé par qui? Par l'état anglais. Et puis je vis toujours en Angleterre. Voilà, donc comme je le disais, j'étais pas au courant. Allez, on m'a expliqué un peu la situation. Les gens ont une preuve de cette situation. Voilà. Il y a une dame qui a expliqué. Voilà. Ton micro s'appelle quoi? D'accord. Donc, c'est quoi le truc? Bon, ce que j'ai expliqué aussi hier, c'est que j'aurais reçu une vidéo à caractère pornographique infantile. Oui, ça datait de 2017. Voilà, ça datait de 2017 où je venais. Non, ça datait de 2016 où je venais d'arriver en Angleterre. Ça faisait 2 semaines. Je ne connaissais pas les rouages en Angleterre. J'ai reçu une vidéo juste de mon oncle. J'ai pris la vidéo, j'ai partagé ça à ma femme pour lui dire, ah, voilà, on dit en Angleterre ici, un Anglais viole un petit garçon. Surtout, ça s'arrête là. Donc, tu n'as jamais été poursuivi. Si je suis poursuivi, juste aujourd'hui, je vis en Angleterre. Ma famille vit en Angleterre. J'ai tout en Angleterre. Quand tu connais la loi anglaise, là, c'est pas comme la loi française ni américaine, mais la loi anglaise, là. Et je paye ça. Et si tu as pris une seule fois, tu as confirmé le code. Merci, je n'ai jamais. Écoute-moi. C'est une dame sur les réseaux qui a gros crème comme ça, ils ont coulé dalle sur sa tête là. Je vais enregistrer, quand je vais relancer, on va écouter tout ça là bien le oui, normalement. Voilà. C'est elle qui a créé ce discours là. Voilà. Elle est plus une certaine qui a dit ils ont coupé son lien pour jeter. Voilà, c'est sûr. Sinon, t'inquiète pas. Aujourd'hui, la guérison t'en a fait. Motion. Il y a Vekta, quoi tu dis qu'il a la barre. Mais on va mettre Vekta. On peut mettre Barcelone électronique sur le pied de quelqu'un qui a perdu un enfant. Il va prendre des missions faibles et puis quelqu'un qui a Barcelone électronique sur son pied. Est-ce qu'il peut partir en Côte d'Ivoire? Tu sais tout ça là? D'accord, Aya, quand la fin même où j'ai partagé la vidéo là, ça s'est passé là. J'avais même pas de papier. Je venais d'arriver, t'es sans papier. Voilà. Moi, j'ai reçu mes papiers en 2018. J'avais même pas de papier encore. Donc ça là, si elle vient à la place là, tu connais affaire là. Et puis derrière ça là, moi je dis. Bon, afin que tu sais ce qu'on était en train de dire là, afin de dire non, tu as partagé vidéo, tout ça là. Moi je l'ai expliqué, je l'ai dit, hey, chez nous en Côte d'Ivoire, nous on partage vidéo. Hein. Non, ce qui s'est passé en 2017 où là, son créa dit, j'étais content de partager la vidéo d'un enfant qui a été abusé, tout ça là. Elle s'est partagé vidéo et puis aller toucher un enfant qui est là-bas là, c'est pareil. Vas-y, c'est pareil. Mais j'ai brassé l'électronique si quelqu'un qui a accusé de savoir, ne vous inquiétez même pas. Et mon sujet même n'est même pas là, même moi, j'ai dit, pour nous, là, on a porté plainte contre Cécilia. Mais là, celui qui pense que moi, il fait partie, il n'a qu'à porter plainte contre moi, c'est comme ça, en fait. Et c'est ça, là, moi, je me défends dans ces gens de bêtises, là. On est allé sur Facebook, on s'est bien mal, chacun a dit pour lui, et puis c'est terminé. C'est moi, je suis dans ces gens de trucs, là. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec une femme en fait. Il y a une femme anglaise. Vous pensez qu'on peut vous faire une femme anglaise comme ça? Voilà, tu es tranquille, tu es tranquille. Tu es tranquille et tu vis ta vie. On a parlé de ça, c'est pas dit, on a dit qu'on va donner du crédit à ça. On va ramener ça ici, frère. On en a parlé à l'aube là. Il est là, il vient de parler, tu peux pas m'accuser même, parce que ça, c'est même pas mon sujet même. Donc faut laisser ça, faut passer à autre chose. Pardon, c'est bon. Je sais que c'est faux, mais pourquoi tu ramènes ça ici, alors que toi tu sais ce que tu sais que c'est pas vrai. Non, c'est bon, moi j'ai déjà compris il y a longtemps. C'est juste que les ennemis veulent utiliser ça. Et comme tu n'étais pas d'accord pour parler de ça,
Voilà pourquoi je te dis qu'il va parler. Non, mais je suis fort, t'inquiète pas. Je suis fort, faut laisser ça. Ça ne déstabilise pas. Il est fort à la pédophilie, à la pédocriminalité. C'est ce qu'il a dit. Ça ne peut pas me dissuader, t'inquiète pas même. C'est famille, je ne suis pas de combat. C'est famille, reste en famille, tu es au soutien. C'est le combat, c'est pas ça la gloire. Voilà. C'est ça, ça ne va pas ça aussi. C'est cool. Voilà. Et BKS là, on dit quoi? Ouais, ça va, tranquille. Oui, il y a quelques hommes qui viennent ici. Moi, je mets la première de tout ça. Oui, je me demande l'histoire du Mali. Il a parlé d'un voyage que vous avez fait au Mali, là. C'est pas vrai. Moi, je l'ai connu, c'est la dame, là, il y a une raison où il était, il m'a dit que la dame a servi la douche, parce que je pense que chaque locataire avait sa clé, mais c'était une douche commune. Moi, il m'a dit que la dame a servi la douche, il est obligé de t'attendre 2h du matin pour aller se laver quand elle dort, parce que là, il était dit, lui qui devait la dame. Mais quand il voulait plus d'argent, il fallait qu'il parte, parce qu'il habitait avec ses danseurs. Et c'est comme ça que je lui ai dit ok, parce que là c'est un service qu'il me demandait. Je lui ai dit ok, comment même quand je le prenais au début, je ne savais pas qu'on allait durer comme ça même. Je me disais que je lui rendais un service pour quelques jours, le temps qu'il trouve une solution. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. Vous avez fait un voyage de Bamako, de Mali là ou pas? On n'a pas fait de voyage, vous n'avez jamais voyagé. Tapotez le direct, hein, c'est restreint. Si ça monte pas, je vais couper pour relancer. Tapotez. On n'est pas allé. J'ai voyagé avec lui, c'est qu'à un moment donné, il avait des présentations à Yamoussoukro, dans des villes d'ici, mais je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire avec lui. Jamais de la vie. Ok. Bon, je pense que c'est suffisant, hein, ou bien. C'est encore. Vous parlez ça à quelqu'un qui est sur le panel, mais on peut la personne ici. Réjoue-nous ça, s'il te plaît. Réjoue-nous ça. Essaye de penser avec lui, s'il vous plaît. Essaye de penser avec lui, non? Comme ça, il faut que tu. Ok, il y a qui ici que j'ai le numéro ici, je sais pas. Bon, je vois, attends, je rejoue et puis je vais voir qui je vois. C'est pour ça qu'il a collé tout ça, c'est pas vrai. Moi je l'ai connu, c'est la dame là, il y a une maison où il était, il m'a dit que la dame a fermé la douche parce que je pense que chaque locataire avait sa clé, mais c'était une douche commune. Moi il m'a dit que la dame a fermé la douche, il est obligé de t'attendre 2h du matin pour aller se laver quand elle dort, parce que là il était dit, lui qui devait la dame. Mais quand il voulait plus d'argent, il fallait qu'il parte. Parce que il habite avec ses danseurs. Et c'est comme ça que je lui ai dit ok, parce que là c'est un service qu'il me demandait. Je lui ai dit ok, pour moi même quand je le prenais au début, je ne savais pas qu'on allait durer comme ça même. Je me disais que je lui rendais un service pour quelques jours, le temps qu'il trouve une solution. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. Vous avez fait le voyage de Bamako, du Mali là ou pas? On n'a pas fait de voyage, oui, moi. Vous n'avez jamais voyagé, mais je crois qu'il a dit que vous avez voyagé, vous êtes allé au Mali. C'est une invention, on n'a pas voyagé, on n'est pas allé au Mali. La fois où j'ai voyagé avec lui, c'est qu'à un moment donné, il avait des prestations à Yamoussoukro, dans des villes d'ici, mais je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire avec lui. Jamais de la vie. Ok, c'était les extraits que je voulais jouer pour la WACA. Bon, je vais envoyer ça à croyant vous. Comme j'ai sur WhatsApp, je l'envoie. Tu dis quoi, il n'est jamais sorti du Mali, Kylian? Oui, il n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire avec bébé Didier. Ok, mettez la capture, il faut qu'on voie bien son nom. Hein. Non, ça c'est un appel enregistrant de JMU. Nous on a une capture qui prouve qu'ils ont voyagé. Ah ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a descendu? Il nous a même montré le message. T'as pas le direct. Attends, t'as regardé Cesco, il est là. Vilain même. Tapotez, hein. Parce que ça là, je vais couper. Donc la restriction là, non. Le direct ne bouge même pas. Regarde-moi ça. Ça fait combien de temps j'ai lancé?
La restriction. Waka, waka, coupe, on revient. Coupe, on revient. Essaye un tout petit peu. Si ça va pas, je vais couper. Essaye un peu. Là-bas, tu fais la capture. Tu fais la capture. Et puis quand tu vas revenir, tu oui, vas. Oui, je suis en train de faire la ça. Capture là. Je, j'arrive juste en même temps. Mais essaye un tout petit peu. Si ça va pas, je vais couper. Oui, Ashley, le direct est encore signalé. Donc, tu vois pas, ça monte pas, ça bouge pas. Le direct est signalé. Coucou, Layoy. Comment vas-tu, mon frère? J'espère que tu vas bien. Deli, tu espères que tu vas bien. Bonjour, Michou. Bonjour, Michou. Donc, moi, je reviens. Donc, la conversation, c'est Oko Sissi d'Afrique avec bébé DJ. En violet, c'est bébé DJ et en green, c'est Oko Sissi d'Afrique. Bien dormi, bien dormi. En fait, ça va bien? On doit beaucoup miser pour avoir oui. Des... C'est comme ça. Et Oko Sissi qui répond. Est-ce que miser a déjà été un problème? La yaya, comment vas-tu? Donner au Mali pour me montrer ça demain. Waka waka waka, c'est comment? Ça va, ça va Dominique, et toi? Je vais chercher. La ça grande va. Waka, ça va, ça va, ça va. C'est ce qu'on a fait hier, là, ça va. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a parlé hier là. Il est parti demander à Zézélu, le papa Nyéré. La yaya, c'est une nouvelle pour nous. C'est ce qu'on a fini là. C'est ce qu'on a fini là. Pour nous. Non, 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 j'ai vu ton tiens, quand je vois, ça me fait plaisir de monter, te saluer, te faire un coucou. Ah, ok, 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 je me disais que peut-être oh, merci, la yo. Merci. Je sais pas si c'est la photo de qui ça. Je suis le frein, mais je veux essayer pousser si ça peut monter ou pas. La photo d'une influenceuse sur TikTok. Je dois couper pour c'est une influenceuse qui doit de l'argent sur TikTok. C'est elle doit l'argent aux gens. Elle a fait une histoire de tontine, en fait. Oh non, j'ai entendu, j'ai entendu. J'ai entendu, je vois. C'est l'histoire de ma bio, n'est-ce pas? Oh, ah, okay, il est désolé, vraiment? Ah, on ne sait pas, on est là, on regarde, on écoute. Où est-ce là, où est-ce là, où est-ce là, qu'elle a pris? Non, non c'est la rue de Cotine. Elle a pris l'argent de debout, les artistes debout de Côte d'Ivoire. Zagba le requin. Mais il y a une d'abord. Zagba le requin. Mais le problème, coup de c'est tontine, elle a pris l'argent de coup de marteau. Elle, c'est tontine là, c'est à l'eau. Comment on dit ça même? Waka, comment on dit ça même? Parce que ici là, c'est pas à l'eau, hein, tontine là. On peut pas déférer quelqu'un pour ça en fait. Bon, voilà. Il y a des preuves et des signatures qui montrent que à chaque fois tu reçois de l'argent de la part de X, Y, bien sûr que. Mais si tu vas dans le contexte de tontine là, parce que c'est que ici par exemple aux États-Unis là, non, tontine là, c'est pas d'ici. On reste dans le contexte. Non, comme je n'ai pas la loi de la Côte d'Ivoire là, donc je me demande quoi, est-ce que c'est légal en fait même de faire tontine en fait? Mais pourtant ils ont dit qu'en Côte d'Ivoire, la tontine n'est pas légal aux États-Unis. Si tu n'as pas légal, tontine n'est pas légal. Si tu n'as ça fait que quand les gens bouffent l'argent des gens, c'est un peu comme les placements d'argent là, rien n'est légal. Rien n'est légal. Si tu n'as aucune preuve ici que tu as donné un franc à quelqu'un. Ici là, ils appellent un sous-sous, ils t'amusent. La personne ne va pas te rembourser. Même si tu donnes 200 $ à quelqu'un, tu dois signer quelque chose. Pour prouver que tu as donné de l'argent à quelqu'un, la personne doit te rembourser. Mais s'il n'y a pas de preuve, Allô, allô, Waka? Oui, Layoy. Ce que Dominique est en train de dire, là, c'est la vérité. En fait, la tontine, là, c'est un blanchiment. Hein. Effectivement. Ce que Dominique est en train de dire, là, c'est un blanchiment. Hein. C'est comme aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton argent aux gens d'aller passer un concours ou bien de faire le visa, machin, là, tu sais qu'on vous arrête, vous deux, mais en Côte d'Ivoire? Oui, c'est clair, on vous arrête. Hein. On vous arrête. Hein. La tontine, c'est un blanchiment d'argent. Parce qu'en fait, c'est quoi? Si moi, on fait une tontine avec toi, Waka, Dominique, nous tous, et que chacun de nous peut-être envoie 10 millions, 30 millions, 50 millions. On enlève ça où? C'est un blanchiment. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de preuve, ce n'est pas traçable. Chacun bon, c'est pas traçable. Oui. Donc, c'est comme aujourd'hui, tracer, là. En fait. La police arrête des gens, tu vois, quand on est en Europe et puis tu envoies l'argent chez les maracas. Il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup qui sont en prison. Oui. Si c'est vraiment ça, si ça tombe sur le procureur, franchement, si c'est vraiment la tontine, ça va m'étonner qu'on la garde. La tontine, c'est un blanchiment d'argent. Parce qu'il n'y a pas de transabilité. Il n'y a pas. Et moi, je dis que moi, je vais envoyer ma contribution. Et puis moi, je dis que celui qui donne, il a bien fait. Celui qui ne donne pas, il a bien fait. On ne peut pas dire à quelqu'un soit de donner ou de ne pas donner. Moi, je dis toujours, moi, on ne me met pas un pistolet sous ma tempe de dire de donner. Si j'estime que moi, aujourd'hui, Waka, on ne se connaît pas, nous tous. On a appris à venir sur ton panel, tout et tout. Mais aujourd'hui, il y a une familiarité qui s'est créée en toi, moi, la bourgeoise, l'infalciable, et la Kendall et autres.
Si moi j'estime que on dit Waka, il y a tel souci, parce que j'estime que je suis monté sur le panel de Waka, que je peux faire. Mais ceux qui n'ont pas donné là, mais c'est de leur droit, hein. Ils sont pas obligés de le faire, mais on peut pas aussi dire aux gens de ne pas donner, ou bien de donner. Celui qui estime qu'il veut donner, qui donne, celui qui estime qu'il veut pas donner, il va pas donner. Parce que moi, je vois même pas avoir le problème dans ça, quoi. Il y a des gens que, c'est vrai, on dit que moi, je la connais pas, hein. Moi, devant Dieu, je la connais pas. C'est hier même, j'ai vu ma bio. La personne, peut-être qu'elle a fait du mal à d'autres personnes, ou elle n'a pas fait du mal à d'autres personnes. Mais moi, j'estime que quand quelqu'un est dans des soucis, nous qui avons nagé, tous les nageurs vous diront, quand quelqu'un se noie, là, cherche à le faire sortir, ou si tu peux pas, n'arrange pas, quoi. Moi, ceux qui n'ont pas donné, c'est leur droit. On peut même pas leur dire pourquoi ils n'ont pas donné, ça, je suis pas d'accord. Ceux qui ont donné, on peut pas leur dire pourquoi ils ont donné aussi, c'est leur droit. C'est à chacun de nous de faire travailler sa tête. Moi, je vais donner parce que j'estime que, et on m'a dit aussi qu'elle a fait des trucs bien, d'autres disent qu'elle n'a pas fait des trucs bien. C'est une maman. C'est vrai, il y a des gens, eux-mêmes, là, tu leur donnes 500 000 aujourd'hui. Ils vont sourire. On parle de tel montant, mais moi, je dis toujours, j'aime pas la prison, je veux pas aussi que quelqu'un parte en prison. En fait, c'est ça, quoi. C'est clair. Sinon, sinon, le pogueur même risque de les débouter tous, quitter dans mon bureau. Si c'est ton team, c'est pas légal. Effectivement, elle fait beaucoup de... Donc moi, c'est pour ces dons qu'elle fait et puis elle aide beaucoup de personnes là, qui m'affectent un peu, quoi. Sinon, Yélène fait don, à part son côté où elle parle, elle dit j'ai ça, je fais ça. Elle fait. On dit de mettre le direct d'influenceur, attendez. Il y a quoi là-bas encore comme le... Ah, il y a un voice. C'est très mal enregistré. Qui parle même? C'est pas moi, il n'a pas tenu sur moi, hein. C'est Jésus là-bas. Ah, ok. Le matériel, il aurait besoin de 400 000. Et puis lui, il prend 1 000 €. C'est ça, non? Il prend 1 000 € sur les airs, un truc comme ça. Donc, il y a un moment, ça fait qu'on peut 10 000 dans ton instant. Tu vois, c'est pour quoi? Celui de Dieu, là, lui aussi, il n'a pas travaillé avec moi. Donc, enregistrement, là, on s'est pas bien. En tout cas, ce que les gars, selon ton temps, ils ont pu à causer de ton problème. Le matériel Ils ont très mal enregistré. C'est très très mal enregistré. On n'entend pas bien, on n'entend rien, on ne comprend pas ce que le gars. Oui, c'est Tiesco qui est en train de faire passer des audios, mais je ne sais pas où il a enregistré, qui a enregistré ça. Mais c'est très mal enregistré. Voilà un peu la télévision, c'est chez Cécile, c'est pas chez moi. Et puis il parle doucement, mais c'est un moment, il ne peut pas trop parler fort. Voilà. Donc, dans les dernières notes vocales, j'ai entendu comment il insulte son artiste. Quel imbécile là. Il y a le moment où il faut bénir, c'est qu'on a fait Manu, il n'est pas trop fort. Donc, voilà. Donc, il ne sait pas s'il doit réjouir, il ne sait pas. Non, pour ceux qui n'ont pas compris. Ben, ma mère a touché, il faut enlever. Ma mère a glissé. Je voulais enlever les commentaires, Ben. Ma mère a glissé pour l'invitation, désolé. Waka, laisse Ben les gars monter. Non, ma mère a glissé. Piezo a dit Waka, et puis ma mère a glissé pour eux. Parce que le direct là, je pense pas rester. C'est pas grave, je peux rester moins 10-15 minutes. Bonsoir tout le monde. Non, c'est bon aussi, tu es occupé. De toute façon, le direct est restreint. Je laisse seulement pour écouter un peu. Je vais couper le direct là. Leur chemin. Mais le Benoît, c'est lorsque eux ils parleront à quelqu'un, même s'ils ont des affaires dangereuses, des accusations comme ce que lui il a là, le fait de mettre le médicament dans la gorge du bœuf et puis le gorger, tout ce que eux ils ont dit là, les gens vont fermer leur bouche là-dessus. Et le bœuf blanc s'est éclairci leur chemin. Donc du coup, le monsieur du Mali, c'est-à-dire le marabout du Mali, demande. Ça fait que les signalements ça ne marche pas. Voilà, parce que les roses c'est pas pour toi, c'est pour TikTok.
Vous tous, depuis le début du combat, vous savez très bien que quand on met les papos, ils signalent. Donc mettez les roses, mettez les roses. Les roses, c'est pour TikTok. Moi-même, je suis mal signalé. Mal. Là, ils l'ont signalé pour harcèlement. Et on me demande de le descendre. Donc, est-ce qu'on essaie de descendre une minute et puis tu reviens? C'est ils l'ont signalé pour harcèlement. Oui, depuis le début, on vous dit que il y a un papo, vous êtes là. Il y a un papo net qui signale. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas montrer. Pourtant, ils sont là depuis le début. Vous nous faites des reproches, mais vous aussi. C'est que vous doublez la défaite. Vous doublez la défaite. Vous doublez la défaite. Vous doublez la défaite. Vous devez mettre des roses. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas fait aussi parce que Tiesco ne voulait pas. On s'est sécurisé. Le rose, il ne va même pas toucher. C'est TikTok qui va prendre. Et il va descendre du live là. Et il va prendre toutes les roses. Les roses, ce sont pas. Ça, c'est quel mensonge, ça, que les roses sont pour TikTok. Les roses ne sont pas pour TikTok. Si tu reçois 10 000 roses, TikTok va prendre sa part dans 10 000 roses et puis tu vas prendre ta part. Les en fait, roses, là, les gens veulent pousser l'homme à bout avant de preuve, aller faire un panel pour voir décortiquer la vie des gens. Parce que tout ce qu'on va faire, même si on monte une vidéo, mis de Atamira, ils sont déjà gammés. Parce que les roses ne peuvent pas être pour TikTok, mais TikTok est qui? Lui, il va prendre les roses de tes abonnés. Ils vont prendre leur part dans les roses de tes abonnés. Comment? Peut-être qu'elle veut dire que comme les roses coûtent pas cher, c'est rien du tout. Peut-être que c'est ce qu'elle veut dire que de toute façon tu vas rien gagner dans rose, mais il faut envoyer. Sinon, tout ça ici ne comprend pas. Elle a montré à JM qu'il était manipulé aussi. Donc tu vois, vous comprenez qu'il a été menteur depuis le début. Jean a joué les audios, Aya même était là, Jean a joué les audios pour vous mentir. Il y a des gens qui me connaissent. Vous avez l'audio là, s'il vous plaît. Lui, rejouez l'audio. Quel audio? Parce que si on t'a dit, t'as pensé comme ça. Elle va jouer l'audio. Pas l'audio mal enregistré là, s'il vous plaît. Ouais, c'est par rapport à la soeur là. Bon, famille, vous connaissez. Vous qui dites que le dès qu'il commence d'être en même temps enchaîné avec le rose. On y va. C'est ce qu'il y a finalement. Comme il a tout été justement là, il a joué avec le cerveau. Et moi, mais comment on peut écouter un fantôme? Quelqu'un qui a menti, il nie que lui, il n'est pas. Au mot, et qu'on prouve qu'il dit que c'est le cas, et puis on continue de l'écouter. Quelqu'un encore qui ment, qui dit qu'il n'a jamais parlé avec le petit, n'a jamais quitté le territoire, et on vient prouver ici encore qu'effectivement, il quitte le territoire avec le petit, dans le petit à force. C'est bon, solo un peu. Il a dit de jouer. Ok, donc attends, il va jouer, et puis la poutine va bien décortiquer, hein. Calmez-vous. Ouais, je comprends, ça connaît aussi. Qu'est-ce que je joue? Ok, quand est-ce qu'on est prêt, il balance. D'abord, on va forcer un peu après. On va rester un peu après. Je peux couper et revenir après. Mais tapoter, on va écouter un peu les choses. Seulement, là, ce duo-là, on comprend rien. Ça fait même mal aux oreilles. Mais oui, on n'entend pas ma Picsou. On n'entend rien. Tapoter le direct. On va prendre le temps de tapoter. Voici la restriction. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ils ont dit la visibilité. Il s'est restreint. Bon, pour ce direct, en tout cas, c'est vrai que la page est signalée, mais surtout pour ce direct, attendez, je change la photo. Donc, tapoter, on va voir si on va forcer un tout petit peu.
Si on va forcer un tout petit peu, et puis voilà. Leur voice là, on n'entend rien dedans. Il t'envoie ça, Oui, Solo, est-ce qu'il ne peut pas t'envoyer ce message? Tu as cassé mon téléphone. Oh. Tu m'entends encore, hein, Solo? Oui, je suis là. Il n'a pas envoyé ce message. Toi, tu vas te transférer. Tu vas venir nous faire écouter ça ici, parce que là, on n'entend pas, ça crache. Bon, moi, si m'envoie ce message, je ne pourrai pas vous faire écouter parce que je n'ai pas un deuxième téléphone. Bah, on va chercher quelqu'un qui a un messenger à qui tu vas envoyer. D'accord, il n'y a pas de problème. Et mieux, parce que apparemment, vous avez enregistré sur un téléphone, non? Oui, et il a fait les captures pour m'envoyer. Parce que là, ça crache, on n'entend rien. Tu sais ce que j'essaie de remettre encore avant. Écoute la fête. Écoute ça là. Ta copine veut l'emprisonner au Canada là-bas. Donc, il s'est défait cette note vocale pour avoir trouvé une solution pour faire le bar au Bénin. Vous voyez les gars du Mali, ils sont un peu là. Toi, tu essaies d'écouter, imbécile. Oh. Voilà un peu. En fait, c'est Cécilia même qui est dans bruit. Parce que la note vocale, elle est là. Je montre en vidéo. C'est Cécilia qui est dans bruit et qui parle doucement. Pour le mettre, on va écouter. Il dit quoi, imbécile quoi. Il est pas comme ça. C'est quoi là, c'est chez eux. Hein. C'est pas nous, on ne peut rien. C'est chez eux, le voix, c'est mal enregistré. Ce sont c'est des notes vocales, il a fait la capture d'écran. Donc, c'est la voix même de Cécilia là-bas, qu'il y a du bruit dedans. Et puis, il parle doucement, il fait exprès de parler doucement. C'est juste la dernière note vocale à la fin, où il parle un peu plus fort. Où il est en train de lui dire que, genre, il lui met la pression pour dire qu'ils sont en train de trouver une solution pour faire le travail rapidement au Bénin, passer les morts du Mali, là, ils sont un peu lents. Voilà la fin, là. Écoute. Il y a ta copine qui veut l'emprisonner au Canada là-bas. Donc il s'est défait cette note vocale pour avoir trouvé une solution pour faire le bar au Bénin. Vous voyez les gars du Mali, ils sont un peu là. Toi, tu essaies d'écouter, imbécile. Donc voilà, c'est un peu. Ok, je vais récapituler parce que moi j'ai mis un casque. Donc c'est vrai que voilà, donc c'est vrai que ça crachait beaucoup, mais j'ai voilà, j'ai plus ou moins écouté. Il parlait à Bébé DJ. Il est en train de dire à Bébé DJ que voilà, le marabout du Mali là a demandé un bœuf noir. Et dans le bœuf noir, il faudrait acheter des médicaments pour mettre dans la gorge du bœuf noir. C'est-à-dire en mettant ça dans la gorge du bœuf noir. Pardon? Exactement, c'est ça même. C'est comme un talisman. Voilà. Donc dans la gorge du baignoire et puis déjà le baignoire. Donc, c'est-à-dire que quel que soit tout ce qu'ils auront comme problème, s'ils sont en face des personnes là, ça va fermer leur bouche. Et il fallait aussi un bœuf blanc. Que le bœuf blanc, c'est quelque chose qui va illuminer leur chemin. Qu'ils ont le bonheur tout. Que le bœuf noir coûte 300 et le bœuf blanc coûte 400. Donc, imaginez, ça fait 700. Donc, plus la main d'œuvre du marabout, 200. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait aux environs de 1 million. Donc, c'est pour cela qu'il est en train de parler à Bébé DJ. Et il paraît qu'il y a quelques copines au Canada qu'on devait enfermer, emprisonner. Donc, lui, malgré ça, il est en train de tout faire ça. Il tourne aux alentours de 1 million. Là, en train de se battre pour Bébé DJ. Et Bébé DJ est là en train d'écouter seulement un. Donc, ça veut dire en conclusion, il se sacrifie pour lui, mais il ne bouge pas. Il a dit aussi que le bœuf noir, quand ils vont tuer ça, c'est pour donner ça aux handicapés. Ben, c'est des mauvaises choses qu'ils sont dedans. Ça met la bouche des gens, c'est-à-dire, quel que soit malgré lui le problème, vous ne voyez pas que ceci n'y a là. Voilà son problème. On est en train de se battre là, son bœuf noir là, il a mis quelque chose dedans. Est-ce que nos autorités se lèvent? Nos autorités se lèvent pas. Parce que son bœuf noir qu'il a déjà, et puis il a mis les gris dedans là. Aujourd'hui, on est en train de parler, mais quand il s'en est arrêté devant les gens, on l'écoute. Donc, c'est ce que Bébé dit de venir faire comprendre, que ce mec, il est tellement spirituel. Tellement spirituel que de faire très attention à lui. Ouais. Donc, Cécilia, tu as dit que tu n'es jamais allé au Mali, tu n'as jamais fait de maraboutage. Voilà, t'es dit, t'en rattrapé. Voilà. Voici un homme qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, même à des fins spirituelles, des sacrifices du sang. Comment il s'appelle? Ryan. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi les autorités ne font rien. Parce que vous pensez que le gars, il est là, il est simple comme ça, il ne fait rien. Je vous dis, il fait des choses dans le noir, il travaille.
travaille, il fait des sacrifices. C'est quelqu'un qui est habitué à ça, là. Quand il est face à un problème comme ça, il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour ne pas que les choses retombent sur lui. Donc, il est prêt à tout pour s'en sortir, même à appeler au Bénin. Donc, vous qui êtes là, qui êtes en train de faire le combat, là, priez beaucoup. Priez beaucoup parce que c'est pas un petit combat, c'est un grand combat que vous êtes en train de faire. C'est un combat qui a plusieurs aspects. L'aspect spirituel, l'aspect physique et l'aspect psychologique. Donc, voilà, c'est le conseil que je tenais à vous donner. Non, si tu n'as pas la force, si tu n'es pas prêt mystiquement, tu n'as pas ton Dieu, il faut t'enlever dedans. Parce que ça s'en va maintenant. Cécile a dit qu'il fait des sacrifices pour fermer la bouche des gens. Voilà, et puis il blague le petit, il dit qu'il va devenir méga star, il va chanter, il n'y a pas quelqu'un qui va répondre encore. Et que s'il y a un problème là, toutes les bouches seront fermées. Donc pour ça, il va faire des sacrifices de bœufs noirs, qui mettent des médicaments dans la bouche du bœuf noir, et quand il tue ce bœuf là, ils vont le donner aux handicapés, parce que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc tous nos problèmes, tous les problèmes des gens là qui ferment la bouche là. Les sacrifices de ça, là, c'est aux handicapés, ils vont leur donner cette viande-là. Maintenant, le bœuf blanc, là, ça, j'ai pas bien suivi. Un pauvre handicapé. Mais en tout cas, c'était deux bœufs. Mais c'est la bouche à ceux qui prennent pour. C'était au Mali. Il n'a pas de. Mais en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai vu, comme le jour, les voices. Quand il parlait, il disait que le médicament qu'on attache sur les reins, là, donc bébé Didi portait le médicament qu'on attache. Solo faut dire à bébé Didi de se retirer. C'est pas bien. Voilà. Le monsieur a profité de lui. Mais il faudrait qu'il ait tout ce qu'il a mis. Le petit a tout jeté. Voilà pourquoi il demandait où est-ce que tu as mis. Il faut faire, tu vas me montrer le médicament qu'on t'a donné au Mali. Le petit même ne s'intéressait pas à ça parce que ça ne prend pas sa tête en fait. Mais lui, comme il est dans ce genre de truc-là, il se rappelle toujours de ça. Il faut que le petit entre dedans. Mais le petit, ça ne l'intéresse pas. Donc lui-même, il ne sait même pas où il a jeté. Si ça intéresse, là, forcément, là, le petit aura ça toujours. Le petit aura toujours ça sur lui. Mais le petit n'a pas parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ça. Voilà pourquoi il demande au petit, mais il faut réunir tout ce qu'on t'a donné au Mali là. Le petit même dit, ah, quand on déménageait là, moi je ne sais pas où j'ai mis. Hein. C'est parce que ça ne l'intéressait pas. Voilà. Ma pose, oui. Seulement, si vous avez un côté médicament, là, vous savez, c'est parce que là, ça a laissé. Si le médicament était toujours d'actualité, là, on n'allait même pas avoir ces genres de trucs, là. Vous savez, quand quelqu'un est dans un amour comme cela, là, il voit rien, il est très aveugle. Mais quand il commence à parler, là, c'est parce que les êtres commencent à lui laisser. Les êtres, là, l'effet du médicament, l'a laissé. C'est pas tout, c'est comme cela. Tu vois, quelqu'un fait un médicament, la personne fait un médicament, il a dit, il est dans Canary. On va prendre ça comme ça, il est dans Canary. Il peut rien dire. Même si on veut le mettre sur droit chemin, c'est bloc. Tout. Quand il commence à parler, il commence à casser les papas. C'est que le médicament l'a laissé, c'est sans effet. Il n'y a plus d'effet sur lui. Tu vois. Donc, les gens, ils vont se protéger. Au fait, le médicament, ça l'a laissé. C'est petit frère. Donc, vous comprenez que le petit frère de bébé Didier est en danger et que le petit est dans quelque chose en ce moment. Voilà pourquoi le petit se comporte d'une manière vraiment qui dépasse même l'entendement. Le petit est forcément dans quelque chose parce que c'est un gars du sable. Forcément, il a dû faire quelque chose à l'enfant. Qui fait que l'enfant n'a pas toutes ses facultés. Même la mère est sous l'emprise de quelque chose en ce moment. Moi, c'est mon avis qu'elle a. Et je le dis et je le dis. Il a pris en otage la maman du petit et son petit frère. Ils sont forcément dans quelque chose. Voilà, sur le social côté-là, je suis d'accord avec toi. Côté maman et puis Bouba, là, je suis d'accord. Tu vois. Là, je suis d'accord. C'est eux-mêmes qui ont besoin de prières. Sinon, Béjiné n'a plus besoin de prières sur ce côté-là. C'est les deux qui ont besoin de prières. Tant qu'ils sont dans le mouvement est sur eux là. Ils ne peuvent rien faire. Même si tu les montres blancs, ils vont dire c'est noir. Tu vois, tant qu'il n'y a pas de prière pour les délivrer, ils seront tous dedans. Mais tu vas voir quand ça va les laisser là. Ils vont commencer, ils seront plus pires même que bébé Didi. Ils vont commencer à casser les papos. Mais tant qu'ils sont dans le mouvement là, même si tu veux les montrer noir, ils vont dire c'est vrai. C'est ça le côté au fait. Tu vois, non? Il veut tellement monter des grades d'après lui et dit que les marabouts du Mali sont lents. Donc il allait au Bénin. Donc c'est pour dire que même dans le maraboutage, dans le fétichisme, il montre des grades. Il montre des grades, mais c'est, ça fait peur, quoi.
Il trouve que pour celui du mari, elle est là. Mais c'est que ce monsieur-là, c'est vraiment un démon. Vous savez, dialogue, Bichon, c'est qu'il a dit là, sur ce côté-là, moi je crois. Non, selon ce qu'il a dit là, sur ce côté-là, moi je crois. Vous savez, les amours de Mali, sur eux, des natures, c'est long. Parce que les vieux de Mali, là, ils réfléchissent beaucoup avant de pousser les actes. Souvent, ils regardent l'âge, tout ça là. C'est pas parce qu'ils connaissent pas le mouvement, ils connaissent très bien. Mais souvent, ils regardent l'âge, c'est-à-dire, ils réfléchissent. Quand les côtés comme Bénin, comme Nigeria, ils s'en foutent du moment où tu viens là. Donc maintenant. Et ton soin, c'est ton soin. Que ça soit dangereux pour ta vie, demain, t'as devenu fou, demain, t'as devenu tout. C'est pas le problème. Du moment où tu veux leur exposer les problèmes, eux, c'est le sang. Mais on dirait que le gars, il s'y connaît en très vite. En marabout. Ça répond très, très vite. La bourgeoisie, voilà. Le gars là, c'est pour nous la demander pour Mali là, ça met du temps là, c'est vrai. Aïe. Parce que voilà, quand tu fais trop les grandes choses dans les villes là, elles checkent un peu. Si toi, quand ils regardent que là, ce côté là, ça serait plus fort que toi, que ton âge, tout autour de ton âme là, ils commencent à ralentir. Ils ne vont pas faire le mouvement pour toi. Ils peuvent faire autre barra pour toi, tout autour. Mais au Ghana, Bénin, Nigeria là, c'est votre guerre. Tant que tu rentres dans leur truc là. Ils sont à toi, ils s'en foutent du reste, un grand garçon. C'est pas une parole de Bruxelles. Voilà, il y a tout ça. Je suis bien d'accord avec Sama Sonko. Maintenant, la question qui se pose, voyant que JM fait tout pour donner du crédit à ce monsieur, est-ce qu'on doit vraiment écouter ce type qui a dit et qui a dit haut et fort que je ne suis jamais sorti du pays avec l'enfant, alors que les preuves ici prouvent le contraire. Donc, ce qui dit que ce gars est un menteur. Il a été menteur depuis le début et il mentira toujours pour pouvoir s'en sortir. Doit-on continuer à lui donner du crédit ou le bénéfice du doute? C'est la question qui se pose. Et pourquoi JM, il fait ça? Pourquoi? C'est la question. JM. Non, Donc, en fait, c'est ça l'idée du journal. Quand il y a un combat par rapport à quelque chose, là, même si la personne a tort, là, j'aime toujours chercher à pouvoir être de l'autre côté du bateau. Voilà. Vu que c'est lui qui est seul. Et puis, il y a quelques 1, 2, 3 personnes qui le suivent dans ça. Donc, ça lui donne encore plus de poids dans sa ligne, en fait. Voilà pourquoi il persiste jusqu'à à la fin, il finit par perdre. Parce que tous les combats que lui-même il a chargés, là, que nous, il était contre nous, là, il a toujours perdu. Et c'est toujours nous, on a eu raison. Oui, j'ai vu que JM a fait un direct aujourd'hui, je l'ai vu, c'était la fin, mais je sais pas qui avec nous qui avons renchéri, là, c'est son truc. Je vais voir sur la page de Kadisi, c'est là-bas ou pas. Avec tout ce que moi, je viens d'écouter, là, sur eux, on doit prier pour la maman de Bouba et puis Bouba même, sur lui. Parce que c'est quelqu'un aussi qui ne s'assoit pas. En écoutant l'audio, tu peux comprendre pourquoi les deux sont agis comme cela. Voilà. Tu comprends? Regardez le direct de JM. Il a mis des choses ou pas? Le direct là, bug ou? Le direct là. Baka, moi j'ai écouté un peu son live. Oui, il parlait de quoi? Bon, je sais que c'est du gars Ryan. Il a joué les voices de Ryan avec. Est-ce que la fille a pris ça? Comment elle s'appelle? Pink. Attends, je vais voir un peu ce Tadi. Tadi. Est-ce que Tadi a pris? Je pense pas. Si Tadi a pris. Il a joué les. Voilà, lui-même, il est en commentaire. Oh là là. Il a joué les voices de Ryan avec bébé DJ. Et bon, il a dit non que lui ne s'y laisse pas intimider, patati, tralala, qu'il est j'aime tac, la factualité, voici ça, il prend tous les camps, voilà, c'est rentré, si c'est sorti là-bas, il est factuel, la même chanson en fait. Et maintenant, solo, langue de comment il s'appelle, langue de bébé DJ est montée, disant que, oui, langue de solo Doumbia, il est monté et il a dit à j'aime tac que, toi tu es là, tu parles des preuves de comment dirais-je, les preuves de comment elle s'appelle même Cécile Altamira, disons qu'il n'est jamais bon, il faut me ramener le message là. J'ai pas reçu.
voilà, disons que non, que l'oncle de bébé Didier a monté son panel pour ceux qui ont suivi, hein, disant que lui, il a les preuves que Cécilia Tamira est partie au Mali. Cette petite partie-là, j'ai pas suivi. Et maintenant, il voulait montrer la capture, la conversation. Je sais pas d'avec Cécilia Tamira, mais je ne sais qui. Et j'aime tant qu'à trouver que lui, ses preuves étaient trop bas pour lui. Parce qu'il est beaucoup factuel, c'est un homme très crédible. Lui, on lui envoie les preuves inbox, il examine à la loupe avant de venir montrer au public, parce que lui, il y a des gens qui le suivent tout et tout, et il ne peut pas se baser sur des captures pour vraiment rendre son panel crédible, et qu'il va falloir que Solo Doumbia l'emmène les preuves inbox. Voilà, voilà, c'était la factualité qui était là, voilà. Donc, il n'a pas laissé l'oncle de bébé DJ montrer les captures, tout et tout, pour ne pas perdre en crédibilité. En guillemets, il nous a dit que c'est une personne crédible, au fait, et très factuelle. Donc, c'était ça. Hein. Moi, ce que je veux savoir, là, dans le voice qu'ils sont en train de jouer, là, ça montre que Cécile... Oh non, 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 je me suis invité, Cécile je pas est partie avec... comment on appelle ça? Oh, le petit, là, il a tout débranché. Mmh. Je m'attends, la connexion est en train de... Ok. En train de tout mélanger à la maison. C'est incroyable. Kadi n'a pas pris. Hein. Je suis partie sur la page de Kadi. Elle n'a pas pris. Elle n'était pas sur le direct de JM, donc c'est pas là-bas. Mais JM est là, non? JM est là. Oui, 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 il est là. Mais bon, je voulais. JM doit saluer. On dit que Solo était mon client pour Solo et tout. Donc je voulais mettre quoi des parties, mais je n'ai pas vu. Il n'a pas. Kadi n'a rien pris. Avec notre direct restreint là, jusqu'au cou. JM doit être un peu occupé, c'est pour cela sûrement il est... Il a fait des fouilles dans ses archives. Même nous, des sorties, les audios. Comment les personnes ne peuvent pas chercher de l'argent, comment sécuriser nos enfants? Quand tu n'es pas fort comme cela, là, quand tu n'es pas fort comme cela, le mal va prendre le dessus sur toi. Quand oui, on ne peut pas montrer les plaintes, c'est illégal. Peut-être elle est dans ses dégagements, elle est là pour se comment. Tu as vu que tu veux parler, tu me dis, tu te démutes, Waka, on t'écoute. Lorsqu'il y a une appel de justice là, ce n'est plus dans le domaine public, on a plus montré ça. Hein. Waka, je suis là. Oui. Alors, voilà, moi je suis là, moi-même je vais te dire, tout ce que j'ai joué hier, aujourd'hui sur mon live, je l'ai tout joué sur ton live hier, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est tout ce que j'ai joué sur ton live hier nuit, que j'ai refait un live ce matin, j'ai joué, et j'ai annoncé que je vais faire un live où je vais être, comme je vous ai dit sur le live, ceux qui ont suivi hier, que je vais faire l'entretien privé, l'entretien que j'ai eu avec... comment on appelle Ryan, je vais jouer ça, toutes les questions et tout, et puis informer ceux qui me suivent. Maintenant, l'oncle a voulu monter. Je lui ai dit d'attendre que je finisse ma présentation. Quand je vais finir ma présentation, il va monter. Je l'ai invité, j'ai pris son invitation, il est monté. Il a dit que ce que Ryan a dit est faux sur le sur celui du Mali, qu'ils sont bel et bien partis au Mali, qu'il a des preuves et tout et tout. Donc, il a allumé sa caméra pour monter des captures d'écran derrière. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, viens avec les captures d'écran avec moi en privé. Voilà, on va regarder les preuves que tu as, on va en parler. Et tu vas venir ici, on va faire l'interview, je vais mettre les captures et on va parler. Parce que je ne veux pas mettre des captures que moi, je n'ai jamais vu, je sais pas c'est quoi. Et que après, on va venir après que c'était pas de bonnes captures, oui, mais il y avait quelque chose. Et que c'est JM, ça a été joué sur le live de JM. J'ai dit, ça, c'est un problème très, très sérieux. Avant de venir mettre des preuves que moi-même, je connais pas, je peux faire qu'on en parle en privé et qu'on vienne maintenant présenter. Donc, de dire que moi, j'ai dit que ces captures sont, ces preuves sont pas des bonnes preuves et que je n'ai jamais dit ça. J'ai mon live, je vais même copier et remettre. Je n'ai jamais dit que ces preuves sont pas des bonnes preuves, c'est des petites preuves. Je lui ai seulement dit et je suis même rentré en inbox avec lui. Il est témoin. Je lui ai dit, il est le bienvenu sur mon panel de venir donner, présenter tout ce qu'il a pour qu'on puisse informer. Voilà. Donc, il faudrait que les gens arrêtent de prêter des mots et puis dire des choses. J'ai dit que le sujet est très important. C'est pas un béret, mais c'est la vie des gens. Donc, s'il veut présenter quelque chose, moi, je préfère que on discute d'abord parce que moi, je pose des questions aux gens. Avant de poser des questions, si c'est possible que lui ou moi, on discute, il monte et puis on pose des questions. C'est comme ça que j'ai dit. Voilà. Maintenant, de venir dire des choses que j'ai pas dit, moi, je préfère que les gens puissent avoir des retenues. Je n'ai jamais dit que ces preuves qu'ils voulaient ouvrir étaient bas. Oui, ils n'étaient pas de bonnes preuves. Voilà. J'espère que tu ne t'adresses pas à moi, en tout cas, franchement, parce que c'est pas ce que je disais. Voilà. L'infalsifiable, écoute, ça fait la troisième fois, la deuxième fois que je monte
me manques de respect. Si je veux dire ton nom, je dis ton nom. Parce que je n'ai pas peur de toi. C'est moi qui ai fait non, le recap. Pas, en commentaire, il y a des, non, en commentaire, il y a des gens en non, commentaire. C'est comme ça, il faut préciser. Je ne précise pas, je ne précise pas. Toi, tu n'es pas resté en commentaire pour parler. J'ai vu, j'étais en commentaire. Non, j'étais en commentaire. C'est moi qui ai parlé sur le panel ici, tu vois. Moi, je ne regarde pas les commentaires. Moi, j'explique à Waka. Tu vois, non? Mais quand c'est comme ça, quand tu dis non, que s'il y a des gens qui disent que moi, je me sens indexé, moi, je ne vois pas les commentaires. Tu n'es pas resté en commentaire pour discuter. Tu as monté sur le panel. Donc, voilà pourquoi je me sens indexé, c'est tout. Ok, si tu te sens indexé parce que tu as dit, moi, je ne peux rien dire, peut-être que tu n'es pas la seule. Voilà. Moi, je parle, si je voulais dire le nom de quelqu'un, j'allais dire. Mais tu n'es pas la seule à faire cette remarque, tu n'es pas la seule à dire ça. Maintenant, si tu te sens indexé, mais vas-y, réponds. Moi, je ne suis pas, j'ai pas peur de toi. C'est pour ça que j'ai répondu. C'est pour ça que je n'ai pas peur de toi, tu vois. Non, mais en vrai, c'est lui qui veut répondre à tout, c'est tout. Moi, j'ai expliqué à Obaka ce qui s'est passé. Bon, JM, maintenant que, après l'audio que tu as mis, il y a un rebondissement. C'est-à-dire qu'on a entendu un autre audio, hein, qui contredit les dits de ton client Ryan. Non, arrêtez. Non, bourgeoise. Bon, okay. Attendez. Non, arrêtez. Je ne veux pas que vous mettez ça sur moi. Non. Non, bon, non, dès de Ryan qui est venu, bon. Témoignage de Ryan que tu as joué. Voilà, ça n'a pas dit, vous n'avez pas besoin. Témoignage de Ryan. Ok. Attends, quand vous prononcez en anglais la même, vraiment, ça me fatigue. Témoignage de Ryan. Bon. De Ryan, de Cecilia Pitata. Cecilia Cuibazo. Bon, d'accord. Maintenant que il y a un témoignage, bon, il y a une note maintenant qui contredit carrément Cuibazo. Bon, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Parce que est-ce que tu vas rester sur ta façon de voir les choses, qu'il a toujours droit à la parole, ou bien parce que chaque fois qu'on lui donne la parole, c'est que mensonge, parce qu'il y a toujours une contradiction qui sort. Qu'est-ce que tu en dis? Quand arrête de me pimenter, qu'est-ce que tu en dis maintenant, JM? Ok, ce que tu dis, moi je fais que informer ce qu'on m'a donné. Et je dis qu'il a droit à la parole, il a droit à s'exprimer. Après qu'il s'est exprimé, si les gens viennent dire que ce qu'il a dit c'est faux, ça engage que lui. Et puis les gars, moi je vous ai dit que je ne le défends pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous voulez mettre ça sur moi parce que je suis venu jouer. Je vous ai dit pourquoi j'ai joué. Maintenant, s'il a menti, et qu'il y a des preuves qui viennent contredire ce qu'il a dit, et qu'on vient me montrer, je n'ai pas entendu, si on vient montrer des preuves qui ont été contredites, mais vous faites vous-même vos propres analyses qu'il a menti encore, mais en quoi moi ça me regarde? Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours mettre des étiquettes. Non, j'ai bien posé... Non, attends, c'est pas toi seul. J'ai compris. Ok. D'accord, ok. Moi, je veux dire que maintenant que... En fait, toi, tu es au milieu, tu t'es dit que tu es équilibriste, tu veux donner la parole aussi à l'accusé, et puis maintenant que tu as donné la parole à l'accusé, et puis il y a un autre rebondissement. Moi, je voudrais que pour qu'on montre que tu es factuel, tu es équilibriste, tu parles aussi, tu dis aussi que, ah, voilà, Ryan Cuibazo avait sorti, a dit qu'il ne connaissait pas, bon, pardon, a dit qu'il n'avait jamais voyagé avec Bébé DJ. Et il se trouve qu'on a une note, ou bien on a des captures qui montrent, qui prouvent le contraire. Donc, Royal Cuibazo. Donne-moi une notion. En fait, pour être équilibriste, je veux dire que pour être équilibriste, il faudrait que tu fasses les deux côtés. Ok, tu as parfaitement raison. Là, au moins, on saura ta bonne foi. Voilà, ok. Ok, tu as parfaitement raison. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi, quand le solo est descendu, je suis rentré à inbox avec lui. Je lui ai même donné mon WhatsApp. Je lui ai dit, voici mon WhatsApp. Je suis ouvert avec les preuves et tout que vous avez m'envoyé pour que je puisse informer. Demandez-lui. J'ai dit ça. Je les ai contactés. Je lui ai dit, envoyez-moi vos preuves que vous avez qui contredit ce qu'il a dit. Si vous voulez monter, venir sur le panel, on va présenter ces preuves-là aussi aux gens. Je lui ai dit ça. Et c'est ce matin, moi, j'ai fait mon live. Et eux, ils sortent après moi aujourd'hui. Maintenant, vous venez dire, mais peut-être que je vais venir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Demandez à Solo si je ne l'ai pas contacté à Inbox. Je l'ai contacté à Inbox, je lui ai même donné mon WhatsApp. Or, d'habitude, moi, je ne vais pas vers les gens, c'est les gens qui viennent vers moi. Mais j'ai vu qu'ici, il est monté depuis. La Russie en appelle. Moi, je pense que
on fait un faux procès. On fait. Ok, je suis là. Comme il est déjà. Je vais finir rapidement. Je vais finir. Dominique, non, attends, je vais finir rapidement. Donc, moi, je comprends pas parce que moi, je prends une position qui est au milieu, ou bien peut-être une position qui questionne des preuves qu'on donne contre Ryan. Donc, on veut dire que JDM est, Ryan est le client. Moi, ça m'est égal. Moi, je viens informer, je dis ce que j'ai eu. Voilà. J'ai contacté Solo moi-même en inbox. Je lui ai dit, voici mon WhatsApp, amène tes preuves, on va jouer. Donc, je sais pas pourquoi les gens veulent dire que j'ai des trucs. Ce que tu as dit, bourgeois, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Je fais mon micro. Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois que on fait un mauvais procès à JM. Parce que il a voulu prendre aussi, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas encore personne pour parler avec Cécilia. Et qu'il a écouté Cécilia, ça ne veut pas dire qu'il prend parti. Il dit simplement que le gars n'a qu'à s'expliquer. Et puis maintenant, aux yeux du monde, on va faire maintenant notre propre analyse, en fait. Voilà. Mais ne lui coulons pas le truc pour dire qu'il est défenseur. Il n'est pas défenseur. Moi, dans ce truc qu'il écoute, vraiment, je n'ai jamais entendu JM défendre, en fait. Il a juste prêté sa lucarne pour pouvoir juste aussi écouter l'autre partie. Mais ça se fait, en fait. Parce que même au tribunal, même aussi là, on écoute quand même toutes les parties, en fait. Bon, parce qu'il a voulu prêter sa lucarne pour que l'autre aussi puisse s'exprimer. Je crois que ça lui vaut vraiment ce que c'est en train de lui valoir. Mais bon. Domi, tu sais, moi-même, quand JM est venu faire l'annonce ici, moi, je faisais partie des personnes. Et je fais toujours partie des personnes qui disaient que JM d'abord a le droit d'inviter qui veut sur son panel ou bien sur ses réseaux. Et puis, moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'il va dire parce que je suis sûre d'une chose, qu'il va mentir. Et en même temps qu'il va mentir, les vérités vont sortir là pour le contredire. Et moi, je disais toujours, laissez-le parler. La première fois, il a parlé là. Quand il a parlé là, c'est pas ça où il balançait son cou, André, son cou comme un cocotier, là, il est sorti. C'est comme ça. Chaque fois qu'il va sortir, il va emporter, il va amener les gens à vouloir le déconstruire. Parce que chaque sortie, il va mentir. Et on voudra effectivement voir, les gens voudront faire sortir des preuves encore plus. Même ceux qui ne veulent pas, qui voudraient garder, ils seront obligés de faire sortir. Mais voilà, il a dit qu'il n'est jamais parti au Mali, que c'est une invention du petit, que c'est une invention du camp du petit. Aujourd'hui, les notes sont sorties, les conversations, les vocales, tout est sorti où il est en train de dire. Lui-même, il est en train de montrer un autre couloir encore. C'est-à-dire que du Mali, ils n'ont qu'à aller au Bénin. Peut-être après ça, il allait avoir le Nigeria. Après ça, pourquoi pas même le Kenya ou bien le Djibouti. On allait tout avoir parce qu'au fur et à mesure, il a la recherche. Non, mais c'est ça. Il a la recherche de plus. Et là, moi, je suis contente parce que chaque fois qu'il va faire sortir, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il va décourager même ses fans, les quelques-unes personnes qui croient en lui. Là. Il va les décourager. Voilà ça. Voilà moi, ça. C'est pour cela que je ne suis pas parti quelque part. Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait sortir des trucs où tu veux mettre. Et puis, en plus, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que c'est un handicapophobe. Et puis, en plus, c'est un zoophobe. Parce que comment mettre Babadji dans la gorge d'un bœuf, le pauvre animal vivant en plus, on va mettre dans sa gorge, l'égorger, et puis donner sa chair là, aux handicapés qui souffrent déjà de leur handicap. Vous voyez à quel point le gars là, il est méchant. Vous voyez comment il est méchant. Mais c'est ça, c'est tous ces médicaments là qu'il faut. Mais tu peux pas faire un médicament pareil et puis aller au Mougou cuit. C'est que cuit là, ça gâte beaucoup de médicaments. Voilà pourquoi même avant là, quand on était petit là, dans les champs là, quand tu vas dans le champ de maïs ou bien le champ de manioc, on te dit faut pisser ou bien faut chier si Baba dit qu'elle a là. Parce que ça gâte. Tout ce qui vient du cuit gâte. Ça gâte tout. Mais tu finis de faire un lourd médicament comme ça et puis tu t'en vas dans le cuit baso. Non, c'est clair que ça s'est gâté. Et le pauvre bébé dit qu'il a porté Baya en cuir. Il a porté Baya en cuir pendant combien d'années? Sa carrière n'a pas évolué. Il n'a que fait des pompes pour avoir des abdos. Aujourd'hui, là, sa carrière est où? Aujourd'hui, c'est un petit louba qui aime se battre, les trucs comme ça. Donc, ça vous a payé transport, mis carburant dans la voiture pour aller jusqu'au Mali pour que le gars fasse des pompes, pour qu'il nous montre des tablettes de chocolat.
Mais non. Maintenant, il dit qu'en plus des tablettes de chocolat, tout et tout, là, ça ne va pas. L'histoire ne va pas quelque part. Allons-y au Nigeria, peut-être au Nigeria, là-bas, là-même. Là-même, là, c'est pour mettre maintenant, c'est pour accrocher maintenant des pinces maintenant sur les cuits, là, maintenant, peut-être pour que ça marche. Parce que là, je ne sais pas. C'est quoi ils sont en train de rechercher en allant chercher plus que ça. Mais c'est ça. Le mal, il est profond. Le cuir a tout gâté. Donc, pour réparation de ça, là, je ne pense même pas que le petit Nigeria même pourra faire quelque chose. Parce que même quand on voit dans les films Ibo ici, là, on n'a jamais vu Babaji. Même les gens, on a vu Millionaire Club ici. Là. Il est millionnaire, là, on ne les a pas vus dans l'affaire de cuir baso. Hein? Ils ont pilé l'enfant, ils ont fait les trucs sur les femmes, mais ils n'ont pas fait cuir baso pour être riche. Parce que cuir baso gâte médicaments, je vous dis. Ils n'ont pas vu même les sorcelleries dans tout cas. On n'a pas vu après des cuibazo là-bas. Non. Non, franchement, donc là, mon frère, tu vas partir où tu veux, tu ne pourras pas. Voilà, je ne chute pas là. Bonjour, est-ce que tu as dit que cuibazo gâte médicaments? Ça dépend de la personne, hein. Lui qui prend le derrière là, lui, il gagne ta puissance. Toi, tu te couvres là. Pour toi, c'est fini. Attends, j'ai une question pour GM, s'il vous plaît. J'ai une question pour GM. Bonsoir à tout le monde. Jim, bonsoir. Allô, Jim. Oui, bonsoir, je vous écoute. Vas-y, toi aussi, voilà. Tu parles, on t'a mis dans le sachet. Eh, faut sortir du sachet, là. On ne t'entend pas bien. Merci beaucoup. Là, je suis sorti du chassé, c'est ça? Bon, Jim, merci beaucoup, hein, parce que je vois que vous essayez de nous éclairer et éclairer un peu par rapport à la situation. Mais à l'allure où l'affaire s'en va, je crois que vous essayez aussi de nous envoyer dans le noir. Parce que à l'allure où l'affaire s'en va, moi je trouve que l'histoire, c'est pas une histoire de bébé Didier. L'histoire, c'est pas une histoire de bébé Didier. Je m'explique. À partir du moment où tu sais que quelqu'un t'a envoyé chez un féticheur et qu'on a fait fétiche sur toi, à partir de ce moment, il n'y a plus de fétiche sur toi. Sinon, quand il y a marabout sur toi, là, tu ne peux jamais savoir qu'il y a le marabout sur toi. Et moi, l'histoire de bébé Didier, moi, je ne vais pas me focaliser là-dessus, parce que je sais que bébé Didier lui-même, là, les gens ont fait beaucoup pour lui, mais qu'est-ce que lui fait pour que ce mec il tombe? Moi, personnellement, il ne fait rien. S'il faisait quelque chose, il allait se joindre à ceux qui l'accusent, ou bien venir chez Waka ici, on lui pose des questions. Il nous donne la date, quand est-ce qu'ils sont allés au Mali, comment on appelle ça, dans quel village ils sont allés au Mali. Mais je ne dédouane pas Ryan. Ryan, c'est un pédocriminel. J'aime ce que je veux vous dire, s'il vous plaît. Parce que quand vous nous envoyez sur le terrain de bébé Didier, il est majeur et vacciné aujourd'hui. Là. Donc son combat, c'est à lui de faire son combat. Il y a des enfants qui sont dans le noir avec lui. Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Et moi, GM, je veux que si vous lui posez des questions, ne vous focalisez pas sur bébé Didier. Parce que ce problème, j'ai vu l'ami de bébé Didier hier. Donnez-moi une motion. Donnez-moi une motion, s'il vous plaît. Je vous écoute. Moi, je devais avoir un entretien avec lui en public. J'ai eu un entretien avec lui en privé. Je ne vous ai pas dit j'ai eu un entretien avec lui en privé. J'ai gardé ça parce que c'est le privé. D'accord. Mais c'était un entretien qui était quand même long parce que j'ai posé quand même beaucoup de questions pour avoir une idée avant de voir l'entretien en public. Je vous ai donné quelques extraits. Donc, attendez de voir ce que je vais présenter à l'entretien en public pour voir les questions que j'ai posées, si ce que vous dites aujourd'hui, si j'ai pas posé ces questions, et voir ses réponses. Ou bien? Bon. Parce que je vous ai donné juste les extraits de bébé DJ. Pourquoi j'ai donné les extraits de bébé Didier et j'ai pas donné et j'ai posé d'autres questions, c'est parce que pour moi bébé Didier est l'origine de la pédo. C'est bébé Didier pour moi, c'est mon avis. C'est bébé Didier, c'est le message, c'est dit que c'est le témoignage de bébé Didier pour moi qui a beaucoup touché beaucoup de personnes avant que d'autres jeunes ne se lancent dans le truc. Parce qu'il a dit qu'il était très jeune et il a expliqué même la première partie quand ça l'est arrivé. Donc, on peut pas aujourd'hui dire qu'on va exclure bébé Didier et rester sur les autres. Non. Parce que lui aussi, il était le premier à dire qu'il était une victime. Et il n'a pas dit qu'il était une victime de VUOL seulement. Il a dit qu'il était une victime de abus de mineurs. Donc, aujourd'hui, vous voulez qu'on dise non, laisser bébé Didier n'est pas le seul. Je suis d'accord, il n'est pas le seul, mais on peut pas lui l'écarter. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ça, monsieur. Donc, quand j'amène son histoire, c'est une partie.
Voilà. Je vous laisse continuer, voilà. Merci. Merci beaucoup. Parce que, pourquoi moi, aujourd'hui, quand je regarde l'attitude de bébé Didi, moi, franchement, j'ai dit ça à Tiesco ce matin, sur le panel de Waka. Waka, on était là quand vous avez fermé le panel. J'ai dit ça à Tiesco. Parce que moi, les gens se battent pour vous. Vous-même, vous vous levez, vous ne faites rien. Quand je vois son nom culé dessus partout, il a fait fétiche, c'est mystique. Eh, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Nous sommes tous des Africains. Nous savons comment est-ce que ça marche. Même les féticheurs, ils vont en prison. Je le dis haut et fort, les féticheurs, ils vont en prison. Ça, c'est des détails qui sont dépassés pour moi, ça. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas et ce que je ne veux pas que vous-même deuxième, parce que ça fait depuis 3 jours, quand vous nous parlez que de bébé Didi. Je ne sais pas. Je parle de vous, mais vous nous parlez que de bébé Didi. Bébé Didi, il est majeur. Si bébé Didi, il a des trucs à faire, il peut poser sa caméra, faire un live, aller porter plainte. Moi, si ça n'engage que bébé Didi et Ryan, je peux dire même peut-être qu'il y a des accords entre eux. Leur sexualité, ça n'engage que eux. Moi, je ne rentre pas dans ces petits bassins-là. Moi, je veux que, j'aime tant que toi, essaye de nous aider, essaye de nous éclairer, à piéger le mec par rapport à tes questions. Parce que le rôle d'un journaliste, c'est de poser les questions. Parce que tout à l'heure, je vous ai oui, mais... dit, vous avez dit... Attends, oui, donnez-moi une motion, s'il vous plaît. Je peux envoyer une autre motion. Ok, allez-y. Je vous entends tout de suite la dire à la bourgeoise que non, vous, votre travail, c'est d'écouter. Non, le rôle d'un journaliste, c'est de poser les questions. Non, c'est pas, vous avez pas bien compris ce que je disais. Donc, ou bien peut-être que je me suis pas bien expliqué, mais c'est pas ce que je voulais dire. Alors, moi, je vous dis que, moi, peut-être que pour vous, bébé DJ n'est plus important aujourd'hui parce que vous voyez d'autres détails. Mais vous pouvez pas exclure bébé DJ parce qu'il est l'une des premières victimes de ce monsieur si on va sur les preuves que vous avez données. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire enlever bébé DJ. Si moi, si mon focus par les extraits et maintenant que je parle de bébé DJ, c'est parce qu'il est l'une des premières victimes selon les présentations qu'on a données. Et en plus, lui, il est plus placé par rapport à toutes les victimes d'être le premier à mieux comprendre puisqu'il a vécu avec ce monsieur. Il était le plus proche de ce monsieur. Il y a des communications entre lui et ce monsieur. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et me dire que je ne dois pas me baser là-dessus parce que c'est lui qui est le premier à venir, qui a ouvert la porte de ce pédo, de ce qu'on parle aujourd'hui de pédocriminalité. Et moi, je vous dis, avant que vous dites que JM qui a amené que cette partie, écoutez mon entretien privé avec lui, les questions que j'ai posées, et après on peut revenir là-dessus. Comment? Merci. Moi, je vous avais dit l'autre jour que moi j'ai écouté un live, c'était sur quel live, où il y a, je crois, une blogueuse qui s'appelle du nom de Silence, qui a des voices de lui aussi. Elle a dit sur le live qu'elle avait son numéro et que c'est eux qui lui ont dit de ne pas venir à ton interview. Elle était avec une amie qui s'appelait Jolie, qu'ils ont dit à Ryan de ne pas venir à ton interview parce qu'il était trop harcelé. Parce que la bourgeoise a dit quelque chose aujourd'hui. C'est vrai, à chaque fois qu'un menteur il parle, il se livre. Mais vu que aujourd'hui, moi je trouve que c'est un menteur complètement, parce qu'il n'est pas du tout crédible vis-à-vis de moi. Mais comme vous avez dit, on n'est pas des juges. Mais chacun voit de sa façon, parce que quelqu'un qui ment une fois, il peut mentir deux fois, il peut mentir trois fois, il peut mentir quatre fois. Vous avez compris. Donc moi, vraiment, vous êtes professionnel, essayez de faire de telles sortes aussi pour nous envoyer un peu de lumière. Merci beaucoup. Ok, d'accord, merci, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Ce que eux, ce qu'ils ont dit, que c'est eux qui ont appelé le monsieur Ryan de pas venir, peut-être c'est vrai, ils ont leurs preuves, ils savent, mais moi aussi, je l'ai contacté, je suis rentré en contact avec les personnes intermédiaires qui nous ont mis en contact, et je l'ai parlé le lendemain même, après-midi, voilà, et il m'a dit qu'il venait de l'hôpital, s'il me mentait, je le saurais après. J'aime. Oui. Excusez-moi. Oui, avec tout le respect que j'ai pour vous, oui. Parce que vous venez de dire, c'est complètement faux. Qu'est-ce qui est faux? Non, attendez, qu'est-ce qui est faux? Attendez, monsieur, qu'est-ce qui est faux? Non, c'est moi qui parlais. Non, vous avez fini? Non, attendez, non, vous allez me laisser finir.
Non, vous allez me laisser finir, monsieur. Non, non. Je vais vous dire pourquoi. Sinon, vous allez vous perdre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le premier jour que vous êtes passé chez Waka ici, après l'interview, demandez bien à Waka, j'étais là. J'étais là, Layoy était là, il y avait Banboy. Si Waka se souvient très bien. Ma première question que je vous ai posée, je vous ai demandé, est-ce que quand il est sorti de l'hôpital, c'est vous qui êtes allé vers lui, ou c'est lui qui est venu, c'est vous qui êtes allé vers lui, ou bien c'est lui qui est venu vers vous? Vous avez dit ici que c'est lui qui est venu vers vous. Donc quand aujourd'hui vous dites que c'est vous qui êtes rentré en contact avec lui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, on est il n'a jamais dit ça. Je n'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Pourquoi vous faites ça? Il n'a pas dit que c'est lui qui est rentré. J'ai jamais dit que je dis quand on est rentré en contact. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Laissez-moi finir. J'ai dit, attendez, laissez-moi, monsieur, je suis pas là pour vous, je suis... non, c'est ce que j'ai dit, je n'aime, si vous n'avez pas bien compris, attendez, monsieur, on va, non, monsieur, attendez, voilà, peut-être que vous avez mal entendu, ou peut-être je me suis mal exprimé, dans ce cas, vous me posez la question, mais vous dites pas que c'est faux que je mens, ou bien me dites que je dis des contre-vérités, pour que je puisse vous dire ce que j'ai dit et je le dis, le lendemain, ils m'ont contacté deux fois. La première fois, j'étais en réunion de travail. Il faisait que m'envoyer des messages. Je pouvais pas répondre parce que j'étais en réunion de travail. Quand j'ai fini la réunion de travail, j'ai vu leur message. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait? Ils disent, il y a monsieur Ryan qui voulait, en ligne, qui voulait vous parler. J'ai dit, OK, mettez-moi en contact. Ils ont dit, donnez-moi une minute. Après ça, ils ont pu appeler. Il est rentré en contact. On nous a mis en contact. Et il m'a dit, je sors de l'hôpital comme ça. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, je sors de l'hôpital comme ça, je m'en vais à la maison et je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez toujours faire l'interview? Il m'a dit, l'interview, on va le faire, je vais le faire. Je lui ai dit, votre santé est primordiale, allez-y à la maison, on va faire, on va en parler et on va voir notre stratégie de communication. Et c'est là qu'on a arrêté la communication. Pourquoi moi je vais venir vous mentir? C'est ce que j'ai toujours dit. À quoi ça me sert de mentir? Merci beaucoup, merci, merci. Ok, Waka, tu es là? Waka? Oui. On peut avoir la dernière news de l'autre côté là-bas, si possible? Oh, bon, ouf! Parce que les gens n'arrêtent pas de mettre en commentaire que la petite sœur de Yaka a dit non, oui, qu'elle a été déférée. Oui. J'ai vu même sur Facebook, on dit que Mabi a été déférée, hein, qu'elle vient d'arriver à la Maca, qu'elle vient de poser bagage, en tout cas valise ou pied, à la Maca. Donc, apparemment, ils n'ont pas pu régler, hein. Elle est partie, hein. Elle est partie. Ah bon? Oui. Qui a dit, Waka? J'ai vu sur les grandes pages de Facebook d'abord tout à l'heure. Oui, les gens sont en train d'écrire beaucoup, beaucoup en commentaire. Tu sais que les gens vont parler. Il y a plus d'un million d'abonnés qui met les news. J'ai vu ça là-bas. J'ai vu sur Décalé. Après, je suis venu sur TikTok un peu. Quand j'étais en communication, j'ai vu que, tout le monde est en train d'annoncer. En tout cas, toutes les personnes qui sont en direct, disent que ma bio est arrivée à la Maca, hein. Elle est partie, oui, elle est partie. Malheureusement, hein. J'espère qu'ils vont, ils vont l'appeler comme moi pour lui dire le camion n'a qu'à se retenir avec elle, j'espère. Ah, elle est partie, hein, ça n'a pas pu. Aïe, aïe. Mais si c'est une affaire d'argent, là, vraiment, pour différer quelqu'un sur une affaire d'argent, vraiment, c'est quand même, c'est bizarre quand même. Parce ils vont dire anac. Ils vont dire affaire d'arnaque, qu'on peut, Les gens, on défait les gens à cause d'argent ici. Ils vont dire l'arnaque. Les arnaqueurs sont arrêtés. Non, hein, c'est quand même un crime. Ils vont parler d'arnaque. Elle a mis en place. En fait, là, voilà, ça dépend en fait de quel chef d'accusation elle fait face. Voilà. En fait. Sinon, si c'est ton dîner, tu dois t'y mettre voilà. Ils vont dire escroquerie, arnaque, escroquerie, voilà. Parce ça, que, et puis, paraît-il qu'il n'y a pas une seule personne. Mais est-ce que l'homme qui va donner son argent, est-ce qu'on l'a escroqué? Quelqu'un qui va lui mettre délibéré pour donner son argent? On lui parle de business, non, on va mettre ensemble pour faire un business et autre. Et puis, c'est que ça, là, il y a peut-être qu'elle a signé des engagements. Moment, elle a signé des engagements. Peut-être qu'elle a signé des engagements. Il n'y a pas de chocolat pour rembourser. Il n'y a pas. Engagement, là, tu as signé là. Mais elle a des biens, non? Même si elle a des biens. Elle a des biens. Elle a quel bien? Voilà le poteau rose, il y a quel bien? Sa maison, c'est location. Sa voiture, peut-être qu'elle est le seul bien. Est-ce que sa voiture vaut 10 millions? Il y a ça.
Hein? Est-ce qu'elle vaut au moins 20 millions pour dire on va rembourser la voiture? C'est ça. C'est le seul bien qu'elle possède qu'elle a, la voiture, ses vêtements. Voilà. Tout le reste, on dit son entreprise est fermée. Son entreprise est fermée. On va dire au moins, on va saisir l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise, on va prendre pour rembourser les créanciers. Il n'y a pas. Entreprise est fermée. Hein? La maison mais là, dans même, ce cas-là, paraît-il que le propriétaire est droit à la maison. Il y a trop de trucs. S'il y a des juristes qui sont là, est-ce que si elle copte une peine de prison, est-ce que les gars vont être remboursés? Mais écoute, même si elle sort, et si elle sort qu'elle ménage, tu ne peux pas rembourser de dehors, tu ne peux pas rembourser, tu vas venir dire que oui, que il y a un peu ça. La bourgeoise. Attendez, oui. Je vais mettre les petites vidéos de trucs là. Oui, Africa. Attends, Africa. Vous avez vu tout le match de l'Afrique, c'est ça, hein? Oui. Il y a un pédophile qui DJ publicité a parlé. On va prendre les news de ma bio, s'il vous plaît, Africa. Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas le volume? Crédit, c'est le chouchou. Crédit, là, tu vas payer. Ouais. Les 14 millions que tu as pris, là, tu vas payer ça. Tu es malade, ça ne va pas chez toi. Hein? Hein? Les gens, ils cotisent, ils payent pour toi. Tu prends l'argent, là. Arrivé pour les autres, là. Tu prends, je te l'ai dit, par moi, 14 millions, et puis tu fuis, tu viens jouer les victimes. Hey. 14 millions de tontines des gens là, tu vas payer ça, mais jusqu'à je ne pas dire pour nous, quand même son téléphone même va rentrer dedans. On a compris ce que tu as payé. Non, mais il y a des. Non, faut pas se blaguer. Tu n'as pas dit que toi tu es une goutte debout. Tu n'as pas dit que tu es debout, mais quand on est debout là, on paye tontine. On rembourse tontine des gens. Et c'est les coulées là, si votre Dieu est dangereux. Mais, hé, pitié, on va rembourser là déjà. Sinon, on sait que celle-là, elle va rembourser les 14 millions de ceux qui ont cotisé là. Aïe, autant de babous. Quand quelqu'un ne bande pas, suis femme, on dit ça pile de couler. On dit c'est babou qui a fait. Moi dedans. Quelqu'un a mot dedans jusqu'à il pleut même, il commence à prendre pas là. On dit c'est Gbagbo qui a fait. Quand quelqu'un ne mange pas, on dit c'est Gbagbo qui a fait. Donc, autant de ados là, quand quelqu'un ne paye pas crédit là, quelqu'un ne paye pas crédit des tontines, on dit que c'est Ado qui a fait. Hein? Parce que là c'est la marmaille. Si Ado ne veut pas régler le problème de marmaille en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est dedans, c'est que c'est lui qui a pris. C'est que c'est Ado qui a pris l'argent des tontines là, des go là, mal perdu même pour le levier. Bah, pas dit pour Ado. Ado, c'est ça, hein. C'est ça, quand tu fais à ma coucou. Un jour, on va faire à ma cacla. Ah, et c'est ça que ça. T'es un moyen de go maudite, là. Les gens, ils prennent l'argent de tontine pour aller créer une société, pour aller faire quelque chose pour permettre, hein, de diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire, pour aller entreprendre, hein. Pour créer même les gens, faire les jeunes vont travailler un peu même, ils vont oublier la marmaille, ils vont oublier les pasteurs, les églises, un peu partout qui les donnent l'argent facile là, pour aller faire les choses, les oubliats, pour aller donner leur boda, hein, pour éviter même, hein, la marmaille, pour éviter de. Toi tu prends l'argent là pour aller faire BBL. Tu prends 14 millions pour aller faire BBL. À Badagne, mais tu es bête comme moi-même. Et puis, où est le résultat de BBL? Où est le résultat même des 14 millions que tu as pris? Où est le résultat? Le résultat est chic quand même. Tu es joufflu. Tu vas faire BBL. Tu ressens ça soit encore joufflutant. À cause de ça, là, le coulis va venir cotiser. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas le résultat, c'est une bonne debout. Tu vas rembourser les 14 millions parce que c'est l'argent des gens. L'argent des gens, ils ont mis l'argent. Ils ont cotisé tontine. Tu as payé, tu as pris l'argent là. Arrivé là tout maintenant, toi tu fais vent ou tu fais glissement, yobi, tu fuis, tu ne veux pas payer les autres. Heureusement qu'on a un procureur maintenant qui sait ce qu'on appelle travailler, Bernard de la peine. Ils t'ont attrapé maintenant, ils vont te mettre, ça là c'est 75 ans de prison, parce que tu as voulu marmailler tout le monde, pourtant marmaille là, c'est devenu un grand délit maintenant en Côte d'Ivoire. Tu vas payer l'argent là. 75 ans de prison, ben tu rembourses l'argent déjà. Quand je suis debout, ta light bouche là, ça c'est pour une promotion de debout ça là.
tu prends ton titre 14 millions, tu ne payes pas, tu fuis. Et puis, on va venir parler, les couilles vilains, vilains, là, tu les vois en dirait des singes. C'est eux qui ont venu te défendre sur les réseaux sociaux, là-bas, Daniel. Pas bien, là, déjà, ouais. Ceux qui ont donné 14 millions, là, ceux-là, moi, là, je ne vois pas le visage de qui. Ils ont payé, ils ont payé. Voilà. Va ramasser l'argent. Ah, bah, Daniel, comme ça. Mon cœur est chaud, hein. Quand on dit tu es debout, là, tu es debout jusqu'à l'as, jusqu'à pas de tu es debout, hein. Faut pas prendre 14 millions, t'as fui maintenant, hein. On va venir te demander maintenant, t'as tes huiles les coulées, là. Et puis, c'est quoi? BBL. 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 C'est ça, mais qui se manquait même. Même pas plus l'argent, même pour un téléphone, même. Moi, je fais quelque chose, même pour donner un travail, même à nos enfants. BBL. Voilà, ils sont de tuer nos enfants partout maintenant dans les maisons meublées, hein, à cause de iPhone 16, à cause de prostitution, à cause de busy. Toi, tu crois que tu as parlé de faire BBL. Visage, on dirait, je vous finis. Toi-même, tu n'es pas beau, hein. Ouais. Toi-même, tu n'es pas beau, hein. Really? Pourquoi quand il parle de BBL à tapis dessus? J'ai dit, bien, mais le BBL de la Goye est chic, mais elle n'a pas pris les 14 millions pour ça. Mais on dit que c'est 50 millions. Que c'est même pas 14 millions. 50 millions, je viens de vérifier sur Google, ça fait combien de dollars, mais c'est beaucoup quand même, hein? 80 000 dollars? 83 900 et quelques, disons 84 000 si on veut arrondir. C'est. Bon, c'est rien, bon, elle n'a qu'à venir payer ça pour elle. En tout cas, moi, je n'ai pas 80 quelques millions de... millions. 83 millions, 84 millions, 84 000 dollars. Non, 83 000 dollars. Ah. Oui, mais 963, donc arrondissons à 84 000. Now, this one is a lot of money. Oui. On a JM ici, donc faut pas qu'on le laisse partir. On va lui poser nos questions. Mon frère, moi, mon direct est restreint. J'ai dit que j'allais rester un peu pour écouter. Je vais couper pour revenir. On m'a signalé deux fois, voici ça. Deux fois. Voici deuxième restriction. Voici non, le. Ça, c'est le premier. Voici deuxième. Mal restreinte. So, je vais venir le soir de chez moi. You know, quand je vais prendre les enfants à l'école. Parce que le direct, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. On va rester, mais ça va pas bouger. C'est pas chic. Monsieur JM, il est là. Moi-même, il est là. Il met pas mes enfants. Wakadon, on est après. La bourgeoisie. Yeah, après, Dominique. Moi, je vais prendre. Je vais les prendre bientôt. On se prend plus tard, non? Il va prendre. Sûrement, il est toujours au boulot. Peut-être que c'est pour cela qu'il se démute pas, là. Il est toujours au boulot. Bon, le présent. Moi, tu me cherchais. Ah non, c'est Dominique qui disait à plus tard. Dominique, comme il descendait. Ah, ok. Moi-même, je vais descendre. Moi, j'étais monté pour ça. Yeah. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Non, il n'y a pas de problème à plus tard. Il n'y a pas de problème. On reste en contact. Merci pour le support. Merci. On reste en communication. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok. Allez, bye-bye. Ok. Mabia, la matin, hein, il n'y a rien maintenant à faire, mais elle va rester jusqu'à ce que le juge décide, je ne sais pas moi. De la libérer ou de trouver un juste milieu ou je sais pas. Ou peut-être qu'elle va rembourser une partie. Oui. Waka, c'est le mal, ça c'est le mal de l'Afrique, ça. C'est tout le mal de l'Afrique, ça. C'est quand on parle, on trouve qu'on critique trop. Parce que on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour de l'argent. Et pourtant, il y a des pédophiles qui se promènent en ville. Depuis combien de jours les gens parlent partout? Quelqu'un comprend, je ne sais même pas, il n'y a pas de gens. Non, mais attends, à un moment donné aussi, il faut qu'on arrête. Est-ce que les gens aussi qui accusent Ryan, il y a une plainte devant le procureur? C'est ça. Bon, les autres ont porté plainte. C'est pas comme si on est venu ramasser Mabio comme ça. Mabio est parti parce qu'il y a eu plainte. Une plainte de trois personnes, je pense. Voilà. Non, donc, on ne peut pas, on va pas venir ramasser Ryan comme ça s'il n'y a pas plainte. Et puis, on va dire que, oh, pour histoire d'argent, on a arrêté quelqu'un. Mais pour histoire de pédo, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de plainte, qui va l'arrêter? S'il n'y a pas de plainte, en qui est bonne forme? Ils ont déjà arrêté Lolo Beauté à l'aéroport, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on dit parce qu'il... Ah, ok. Ce qui s'est passé, c'est Lolo Beauté même qui l'a fait. Mais bon, c'était un accident, c'est vrai. Elle a montré Jessica, mais on était en train de l'épiler et tout, tout le monde a vu. Donc, c'était un peu, c'était quoi, dépravation des mœurs, voilà. Vu que c'est lui-même, donc tout le monde a vu. Ça, est-ce qu'il y avait quelque chose à dire? Donc, mais concernant Ryan, je ne dis pas, je ne suis pas en train de mettre les preuves, dire, est-ce qu'il y a
les gens là ont exposé les propos qu'on vienne le cueillir. Il paraît qu'ils ont des preuves, mais ils veulent pas mettre sur la toile pour ne pas choquer la sensibilité des gens, d'après ce que j'ai appris. Les preuves palpitantes. Mais qu'ils prennent les preuves là, aller déposer plainte avec les parents des enfants et tout. C'est ça. Dès qu'il y a une plainte en bonne et due forme, bien sûr qu'on va venir cueillir Ryan. Bah, c'est notre choix. Je vais te laisser, on va se capter après, et puis bon, bon appétit, ou bien tu vas chercher tes enfants, et puis bon. Yeah, je vais me reconnecter le soir de chez moi. Il est 14h chez moi, je vais me reconnecter vers maybe 17h de chez moi. Bon, bye bye, bye bye les filles, on a après. Bye Africa. Bourgeoise et infalsifiable. On va se reconnecter après, parce que le direct là est trop restreint, c'est pas... Le direct bouge pas, mais je voulais quand même rester, qu'on papote un peu, le temps d'écouter certaines choses. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Waka, tu vas couper. Oui, je vais revenir à 17h de chez moi. Il est 14h40. Dans 2 heures, comme ça, je relance. Ok. Dans 1h30, parce que ça va trouver que je suis rentrée, j'ai pris les enfants à l'école et tout. Donc, dans 1h30, je relance. Peut-être même qu'on aura plus de nouvelles sur ma bio. Dans 1h30. Ouais, moi, j'ai déjà les nouvelles sur elle-même. On dit les nouvelles, c'est-à-dire des vidéos, quelque chose, quoi. Sinon, si c'est nous-mêmes parler, on peut parler, mais est-ce qu'on a des nouvelles? Mais Bibina, toi, tu as quelles nouvelles? Voilà, tout le monde. Bon, les nouvelles. Non, j'ai des nouvelles, tu sais, moi, j'ai des communicants et autres. C'est que Aputu a retiré sa plainte. Extrato aussi a retiré sa plainte. Mais le procureur dit le temps n'a pas été vraiment en sa faveur. Et puis le procureur dit non, que franchement, il doit lui donner une correction. Parce que c'est pas une première plainte, au fait. Voilà, donc le mardi, ils vont trouver un terrain d'entente pour voir. Elle a fait une reconnaissance des dettes, mais le procureur n'a pas voulu accepter. Voilà, parce qu'il dit non, trop, c'est trop. Parce qu'il y a trop de plaintes, tout, et puis il n'a pas parlé que de ça. Il a dit sur TikTok, il y a trop de plaintes contre plein de personnes, au fait. Donc, ils ne vont pas s'amuser avec ça, non. Il faudrait que ça soit un exemple. Parce que tous ceux qui vont venir, il ne faudrait pas qu'on demande pardon, parce que il faut que ça commence comme ça et c'est parti. Mais bon, on espère que ça va s'arranger. Mais donc, jusqu'à mardi, elle a la maca. Voilà, jusqu'à... Parce, voilà, moi aussi, qui va la piquer. Voilà. Mais c'est le week-end, là. Elle va passer le week-end là-bas, forcée, obligée. Vous voulez nous mélanger, elle est libre. Elle est libre où? On dit qu'elle est partie à la maca, toi tu dis qu'elle est libre. Si elle est libre, monte, tu donnes l'information. On dit qu'elle est à la maca. Aïe. L'information est partout sur Facebook. C'est écrit sur les grandes pages qu'elle est à la maca. C'est mort, là. Elle va attendre maintenant la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Par rapport à sa sortie. Peut-être que la semaine prochaine, on pourra faire quelque chose pour elle. Mais toi, la classe à petit prix, là. Si tu sais qu'elle est libre, là, faut monter. Oui, là, c'est le week-end. Samedi, dimanche, elle va passer ça là-bas au calme. Maintenant, la classe, donc si elle est libre, on attend son direct de 20h. Ah. Il est quelle heure à Abidjan? Il est 18h43. Toi, Kakade, tu n'as pas dit que tu me cherches. Il faut couper maintenant. Je vais couper, ne t'inquiète même pas, on va couper. Ouais, caca dédé, la causerie de ça. Kakade a envie de causer, inbox. Non, la causerie de ça, bonjour. Faut voir Waka en train de tutuber en bouteille. Kakade est pressé. Kakade écrit un truc, Waka tag, Kakade, elle s'oublie, MMS, elle tag Waka. Tout le monde pense que c'est Kakade, elle se tombe. Non, regarde, je peux vouloir appeler Bourgeoise tout de suite. Kakade, qu'est-ce que ça fait? Mais pourtant, j'appelle Bourgeoise. D'avoir une croche. Non, c'est pas un commentaire. Non, mais c'était un commentaire. J'ai fait quoi? Non, ça, je me rappelle pas. J'ai fait quoi? Non, tu ne peux pas te rappeler. Kakade a commenté quelque chose qui toi te concernait. Maintenant, tu l'as tagué pour répondre. Quand tu l'as tagué, là, tu t'es trompé. Toi-même, tu t'es retagué. Tu as retagué, tu t'es retagué. Tout était déjà mis en commentaire.
Non, je comprends, tu sais. Parfois, quand tu fais un commentaire, tu... Quand tu fais un commentaire, par exemple, regarde, attends, je vais refaire. Ah non, ne m'attachez pas, attendez, je vais refaire. Attendez. Je vais mettre, par exemple, je vais couper le tir. Attends, je vais... couper le direct. Attendez, tu vois, j'ai fait exprès une faute. Maintenant, je me retague pour rectifier, je mets ça et puis je mets V. Tu vois? Ne m'attachez pas, c'est comme ça. On dit le texte était trop long. Oui. Waka dit quoi, mais il était muté. Elle dit quoi? Ah, je vais couper le direct. Je me suis trompé dans la façon dont j'ai écrit V. Donc, je me retague pour écrire V avec V-A-I-S. V-A-I-S. Oui. Mais pourquoi tu es retardé toi-même? Ah, voilà, non, j'ai compris. C'est aussi simple que ça. Regarde, infalsifiable, regarde. Je suis à la mer. Regarde, il ne faut pas changer de sujet, c'est quoi? Et bon, Regarde, je suis à la maison pour manger. Tu vois, manger, je n'ai pas bien écrit. Là, je me retague pour bien écrire manger comme ça. Donc, je me retague. Ah, c'est comme ça, en fait. Moi, je ne savais pas qu'on se retaguait soi, mais moi, je pensais qu'on retaguait la personne à qui on a écrit. Non, mais ça, il fallait que je remonte. Les commentaires étaient trop. Et vu que je me suis trompé, bon, sur la personne de qui, je me retague pour mettre ce que je dois mettre. Arrêtez-le. Ah, d'accord, oui, je vois. Ah, oui, je vois. Mais... Regardez quoi, depuis là, tu expliques seulement. Ah, t'as vu qu'elle a donné la tête. Oh, Seigneur. Tu ne connais pas Kaka DC, très carbone. Le chef Carmen. Il a trouvé Carmen, il cherche plus. Il la cherche plus. Hein. Depuis, il a trouvé, il la cherche plus. Il a trouvé Carmen, toi aussi. Il a trouvé qui? Carmen. Il a remis le nom KKD. Ah, peut-être qu'il l'a trouvé. Moi, je sais pas. Je ne sais pas. I don't know. On ne parle pas de bonbons ici. Tu veux que Maggie me trouve ici? Maggie, la veine dans l'ouvrage. On est en pleine conversation ici, il m'écrit. Il y a Oshiba, il y a lui là aussi. Bon, peut-être il a le dernier souci. Non, il n'y a pas de problème. Avant que tu ne coupes là, il doit parler à Bonne Boy. Il n'a qu'à porter sa culotte là. Culotte où on s'en cherchait dans le pantalon des enfants là. Il n'a qu'à porter ça pour venir ici. Ben, c'est eux qui ont réponse à tout ici, non? Il n'a qu'à porter. Non, aujourd'hui, la réunion, ça va. Il a fait Bonne Boy, il ne le laisse pas. Aujourd'hui, c'est réunion Bipé Maggie, c'est ça? Exactement, Bipé Maggie. Maggie, c'est Maggie qui se promène. Ils ne sont jamais sortis du pays, non? Tonton Solo est venu au Dieu, ils sont sortis du pays. Aujourd'hui, elle va nous expliquer. Hier, on a parlé de quelque chose. Il y aura le Congo. Je te dis, dans 1h30. Infalsifiable aussi doit nous expliquer quelque chose. Ah. Elle pourrait la saga après. Hey. On a fait le Congo sur toi et Infalsifiable. Elle dit de ne pas appeler. Viens là. Infalsifiable, t'aimes elle la confiance. T'aimes Infalsifiable la confiance à nos bébés là, non? Elle a gagné temps pour nous laisser faire le Congo derrière elle. On a fait le Congo avec toi. On a fait le Congo avec toi. Aujourd'hui, c'est on pas sur moi. On dit que c'est toi qui as fait parler dans le commentaire. Yeah. Avec qui? Nous, on n'a pas suivi. Avec un profil. Un profil qui dit qu'ils t'ont bloqué quelque part sur WhatsApp. Ah, mais ce ne sera pas sur cette pièce de garde. Il ne faut pas. Attends. Le directeur. Non, mais c'est la famille, c'est restreint. Oui, mais le directeur est restreint. C'est quand je vais revenir, on va épiloguer. Attends, moi, ils vont bloquer. Quand tu vas revenir, il aura les. Non, attends, il n'y a pas bien saisi. Moi, ils m'ont bloqué sur WhatsApp. On dit, on t'a bloqué sur WhatsApp. Infalsifiable. Oh, j'ai dit que. Dans 1h30, ça va chauffer ici. Ben même là, mais c'est dit toute l'équipe en courant, toute l'équipe en place. Je dis, Ben, ils ont envoyé la réponse. Ah, c'est Coco. La réponse d'Apone est sortie. Attendez, bourgeoise, au lieu de me connecter dans 1h30, je vais réduire ça en 1h. 1h30 même, c'est tout. Attends, la personne m'a dit. La famille là, c'est bon. Là, tout le monde n'est pas au courant. C'est juste la famille. On règle problème des familles. J'écoute.
Il est pas si fiable. Le Congo ça, ça là. Faut pas te presser dessus. Dans une heure là, on répond le Congo ça. Non, je veux savoir d'abord. Calmez-vous. La personne m'a tagué puis la personne a dit ça. Oui, la personne t'a tagué hier. La personne avec qui tu te battais en commentaire là. Je me battais quelqu'un en commentaire hier. Il y avait des réponses de toi à la personne, de toi à la personne hier là. Moi, il y avait un Jamalien en commentaire entre toi et puis une personne hier là. Jamais chamaillé avec un facilité. Pourquoi est venu après? On va venir tout de suite. Voilà, parce que moi, la personne qui me chamaillait en commentaire, elle disait qu'elle était bloquée, tu as mal là. C'est pas sur WhatsApp, c'est moi qui ai bloqué la personne sur TikTok ici. Maintenant qu'il y a Coco, il ne sait pas. Moi, me bloque pas. Voilà, et je vais expliquer. Efa, voilà. Dans une heure, tu prends ton tabouret. Dans une heure là, ce Congo ça là, ça va revenir. Dans une heure, où tout le monde sera là là. Non, mais c'est la famille qui sera là. Qui sera pas là? C'est la famille? Non, actuellement là, c'est la famille. Mais le live est resté, c'est juste la famille qui est là. Il y a quelque chose qui est clair. Si j'ai été bloqué sur WhatsApp, c'est peut-être possible parce que je cause pas toi si tu m'as bloqué. Donc c'est toi, c'est dans ta tête parce que moi je te tague pas, je cause pas toi. Donc je suis. Tu vois, non? Voilà, c'est ça même le problème même. Pas bloquer la fille. Waka voulait bloquer Coco Caramel. Est-ce qu'on bloque quelqu'un qui le connaît? Panel de Waka, ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, ne fais pas les commentaires panel de Waka, ma vie. Ça n'a rien à voir avec toi. On parle de bonne voix et tout. Oh, pardon. Non, ne fais pas même de commentaires de soucis. Même pas envie que vous commencez. Voilà. Rien à voir avec ça. C'est un truc de bonne voix et nous, on sait c'est quoi, panel de Waka. On va pas être sur ça. Yéli Ben, tu me demandes quelle réponse. Fait le voyage là, après on a dit n'est jamais sorti du pays, elle enfant là. Ils ont envoyé voice, long solo a envoyé voice. Après on est sorti du pays, elle enfant là. Tu attends panel, je dis, faut pas attendre. Si, c'est si, pas, si, si. C'est pas sur toi parce que quelqu'un a dit, voilà, quelqu'un t'avait écrit. Non, panel, c'est pas de toi, c'est pas toi. On dit Coco Chanel. La personne s'appelle Coco Chanel. Voilà, Coco et tout. Mais Coco, je vais vous dire comment Coco. Caramel, Coco Caramel, c'est ça, Coco Caramel. Coco a confondu les choses exactement. Ah, voilà, c'est possible. Coco a confondu les choses. Non, Waka, toi, pour te dire la vérité, Waka, pour te dire la vérité, tu es très intelligente. Sincèrement. Voilà pourquoi j'aime ton affaire, là. Parce que toi, les gens peuvent se perturber sur un panel. Là. Non, je viens. Les gens peuvent se perturber, mais toi, tu es tellement sereine que tu peux prendre ton temps, faire ce que tu as. Qui est Coco Caramel? Ah, mais tu es si sereine. Tu dis que j'étais une amie de ce Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Mais pas ça, c'est pour voir. Parce que pas le temps qui va à la chamane. Elle t'a dénoncé, il ne faut pas accepter. Non, le temps qui va à la chamane. On va dénoncer tout de suite. Ça n'a pas 10 minutes. Ah, je perds la tête. Sur ma tête, je t'ai dit. Elle t'a dit que c'est tellement fond et mélangé. Non, le cœur qui bat la chamane n'a rien à voir avec quelqu'un qui est intelligent. Quand ton cœur bat pour quelqu'un, tu tues parfois, ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Tu vois. Ah. Mais pourquoi toi, tu dissocies ton cœur? Tu dissocies ton cœur pourquoi? Cacadé, viens, il va se cacadé. Le mot là n'est pas passé. Bonsoir. La bourgeoise, pardon, ferme ton micro un peu. C'est toi qui utilises le réseau déjà et c'est toi qui parles beaucoup sur notre télé là. Non. Maintenant là, ici c'est mon réseau. Non. Ça, on n'a pas de preuve. Envoie la preuve. Envoie la photo de ton wifi allumé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ton grand frère. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Grando, il n'y a rien en fait. Je suis étonné là. Il ne faut pas t'étonner. Nous tous, on voit ce qui se passe, mais on ne dit rien. On t'observe. Dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a rien en fait. Je suis étonnée. Moi, je suis là tranquille. En tout cas, aujourd'hui, avant le choix de ma bio, on va épiloguer sur le Congo ça d'hier. Aujourd'hui, vous n'allez pas attaquer. Moi, c'est toujours moi, on veut attacher. Voici donc, aujourd'hui, toi aussi, tu as trouvé quelqu'un. Non, mais elle m'a attaché tout de suite, 12 ans. J'ai vu. Moi, depuis là, j'écoute. Hein. Ah, elle m'a attaché tout de suite. Dans l'affaire de cacaté, là, où tu as attaqué. Elle m'a dans les commentaires jusqu'à. On me dit que non, que je me mélange. J'ai dit, ok. Ah ouais, et puis à un moment donné, jusqu'à elle, on dit que cacaté a trouvé Carmen. Tu crois qu'il parlait de qui? On parlait de toi. C'est qui Carmen? Je ne sais pas c'est qui Carmen. Je ne sais pas. On parlait de toi. Moi, j'ai tout compris. Même bourgeois, c'est quoi la sorcière de tout TikTok? Voilà, vous l'avez dit. Il n'y a pas de confusion. C'est Koji. Waka fait semblant de ne pas comprendre. On le braise. Waka fait semblant. Wakatologue, ben, semblant de ne pas comprendre. Ben, c'est comment? Elle comprend, on peut la laisser. Maintenant, infatifiable, tu peux vérifier si tu as été bloqué, on ne sait jamais. Juste pour la forme, quoi. Non, en fait, je n'ai pas à vérifier puisque je ne communique pas. Il ne faudrait pas que les gens s'emballent. Il ne faudrait pas qu'on vous dise des choses qui ne sont pas. Regardez, ce qu'on va faire, le direct là est mal restreint. Vous le savez, je vous ai montré. Dans 30 minutes, je vais réduire, mais j'avais dit dans 1h30.
Après, j'ai dit une heure, peut-être 30 minutes, non, 30 à 40 minutes, je relance. Le temps de prendre les petits, après je relance. On va épiler. La cacadée. On va attacher mais tout le monde. Quand Ben était de l'autre côté, la cacadée l'attachait ici. Quand Ben était de l'autre côté, il dit cacadée attachait Ben ici. Quand Ben est monté là-bas pour mettre et capture là. Kakadé l'attachait, il dit, regarde comment Ben est poli là-bas. Regarde Ben même aussi, les papas, il y a l'hieri de... Il dit, hé, pourquoi vous faites ça même? On veut que Waka ne coupe son live. Je vais rassurer certaines personnes ici, surtout la jeune féminine. Je ne suis la rivale de personne sur TikTok ici. Ne vous méprenez pas. Voilà, je ne suis la rivale de personne en fait. Peut-être que des gens peuvent avoir le béguin pour moi, mais moi, c'est pas pareil, quoi. Donc, ne vous méprenez pas. Je suis la rivale de personne sur TikTok. Toujours, je parle. Je suis très, 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 très prise. Je ne parle pas de ma vie privée parce que ça n'engage que moi, ça n'intéresse personne. Mais je ne suis la rivale de personne sur TikTok ici. Est-ce qu'on est bien d'accord? Moi-même, je suis la rivale de personne. Mais quand Boboy aussi dit qu'il est sous les tropiques en famille avec son avou et puis son enfant, pourquoi ça fait mal à d'autres? Mais Waka. Tu es la quatrième, et puis tu dis que tu es la rivale des personnes. C'est toi la quatrième. La quatrième pour aller où? Non, mais attends. Waka. Une fois comme moi, je peux être la quatrième depuis de toi. Comment bien sûr. Bien sûr. Non. Waka, tu es la quatrième. Même les deux trois femmes. Nous sommes des sorciers. Comme elle est la quatrième, elle est la rivale des personnes. Soit je suis seule, soit je suis avec personne. Si tu veux avoir des cheveux. Oui. Mais c'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette spirale de jalousie? Les femmes de Ben n'avons dit quoi maintenant? Ben, il a beaucoup de femmes. Elles vont dire quoi? Voilà quelqu'un qui fuit ses foyers. Il a tous ses foyers là, il fuit. Quand c'est chaud, il quitte le panel pendant 2-3 jours, il revient. Hein? Et puis, Marie démissionnaire. Il se met en pause. Il y a un direct dangereux qui va cesser. Comment on va intituler le direct aujourd'hui? Ah, Waka, c'est quand même direct ça. C'est la Waka Talk TV. C'est ça non, le non. Tu mets le titre. Le titre. La Waka Talk TV. Voilà, le titre. Le linge sale. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il à la télé? Le linge sale, c'est là ma famille. Non. Waka. Waka, le titre là. Le titre là. Qui a mis l'huile sur le riz des arts? Ça, c'est bon. Non, Waka, je te donne, comme le live, ça, c'est là, mon famille. Pour faire le live privé, juste pour les abonnés, c'est mieux. Non, Waka. Non. Mais laissez-je suggérer aussi, Waka. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait privé, il y a beaucoup qui vont. Vas-y, hé. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la télé? Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Voilà, il faut le faire live privé. Franchement, c'est le live, ça, c'est le live, ça, qui va se laver aujourd'hui, hein. Waka, pardon. Mais le problème est que vous pensez que c'est le live, ça, de bonne boîte seulement, oui, Fatia. Tout le monde. Parlons. Non, c'est bien, moi, je suis dans vos bonnes boîtes là. Moi, je suis dans vos bonnes boîtes là. Parlons sérieusement. Laissez-moi finir. Je dis, il y a une chose qui me plaît pas vraiment à la télé. Sérieusement, on va parler. Il y a quoi? Un fa et bonne boy. Ça, j'aime pas ça du tout. Leur palabre inutile. Non, il n'y a pas de palabres, c'est la famille. Aïe. Tu vois pas, on est en train de rigoler que, le lance. Mais non, de toute façon, il ne se parle pas là. On dit que le lance, ça se en famille. 12, on dit le lance, ça se lave en famille. Tu es rentré dans quel débat là encore. Ils ont bloqué quelqu'un. On dit que le lance sale se lave en famille. Comment on avait les lance sales? Mais on ne va pas faire. On ne va pas lancer seul, tu seras. Bonjour, tu vois que quelqu'un a dit qu'il ne va pas venir pour dire ce qui est Carmen. Tu vas nous dire. Waka, on va pas faire. Il faut nous dire ce qui est Carmen. On va pas faire live. Non, le problème est que si on fait live privé, ceux qui n'ont pas d'abonnement ne pourront pas voir le live. Mais bon, moi, Tant pis, ceux qui n'ont pas d'abonnement. En fait, le truc, c'est que, infalsifiable, quand tu te défends là, tu mets un peu trop de cœur, tu vois. Donc, c'est pas crédible ce que tu dis. Essaie de aller doucement prochainement. Vas-y. C'est crédible quand tu quittes tes trois femmes pour aller te promener ailleurs. Oh, 12, t'as quel problème? Non, 12, c'est quel nouveau sens là. Problème, c'est que Ben, il n'a pas compris. Il a quitté. Il a dit quoi? J'ai entendu, ciao, Ben. J'ai pas entendu. Je répète, il n'a pas entendu.
Non. C'est que quand tu quittes tes trois femmes. Non, vous savez pourquoi j'ai eu main du cœur, comme tu le dis, Ben. C'est parce que, je ne sais pas comment quoi dire, mais je suis une personne avec beaucoup de principes. C'est une personne qui ne peut pas être dans la vraie vie, mais je suis une personne avec beaucoup de principes, en fait. Voilà, c'est ça. Je vais parler quoi, et puis je fais comme si je... Dis-moi avant que je le coupe, je vais relancer dans 20 minutes de toute façon. Dis-moi quand tu sais, je fais semblant de ne pas voir quoi. Refais ton commentaire, bébé. Pas vu. 12 tu fais quoi là? Non, c'est pas de toi, il parle de Ben. Pardon, désolé, je joue avec ma fille. Pardon, je joue avec ma fille. Pardon, tu étais sérieux tout à l'heure là? Non, voilà, je joue avec ma fille là. Je croyais que mon micro était muté en plus. Hein. Voilà, je joue avec ma fille depuis tout à l'heure. Ah, bon, ça va jouer des pas. Bon, bon, Gela là, tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Hein. Lui, c'est la phonorie pour lui faire. Il va enregistrer ça là. Il va enregistrer ça là. On lui dit quelque part là-bas que j'ai fait quelque chose de bizarre. Katoucha, ta bouche là, pas sur ta bouche, Katoucha. Si je savais, j'allais pas sur ta bouche. Donc en gros c'est ça, hein. Hier, là, on n'a pas screen ça, on n'a pas screen ses commentaires, elle a envoyé 4 du monde, mais Waka l'a pas pris. Pose question ça là à qui? Bonjour, toi, mais pourquoi tu réponds comme ça? Il dit Beno, tu peux me dire pourquoi malgré les 4 demandes là, Waka même n'a pas réagi à ces demandes. Ouais, j'ai pas compris. Elle a envoyé 4 fois ces demandes. C'est parti là, je n'ai pas compris. Elle a dit elle a envoyé 4 demandes, Waka n'a pas, Waka a ignoré ses demandes. Et elle dit qu'elle montait pour toi en fait. Oui, elle a dit ça. Demande de qui? Coco Caramel, elle montait pour l'infrastructure. Non, j'ai pas ignoré sa demande, elle n'a pas fait... J'ai pas vu sa demande. Elle a dit qu'elle avait 4 fois la demande. Non, elle a fait 4 fois la demande. Attends, Ben, est-ce que... Je dis que ta demande monte. Elle dit qu'elle avait 4 fois la demande, elle voulait monter pour toi. Pour moi, j'aime trop le Congo ça. Si elle avait fait la demande, j'allais prendre ça. Mais elle a dit en tout cas. C'est qui ça encore, Seigneur? Mais je pense pas que ce soit son vrai profil. Hein. Elle doit avoir un autre profil, mais ça, c'est une fille, elle avait tes diamants. Elle avait pour toi. On le dirait tout à l'heure. Et Bombo a refusé qu'on la bloque. On a demandé si Bombo était là. Ouais, c'est vrai. Et si on l'a bloqué, c'était chaud pour mon frère. C'était bizarre. Et Baban disait que voilà pourquoi lui n'aime pas s'attaquer aux femmes. Parce que lui également, il y a madame qui est là, il y a ses soeurs, il y a ses cousines, il y a comme si. En ce moment, j'étais où ça? J'ai dit que ce qui s'est passé ici, et puis je vais voir si je peux chercher là-bas. En tout cas, on a fait qu'on ressent sur toi. Il y a Kakadé qui demande à ce que je répète une question qu'il a posée. Il a descendu, il est dans l'oreille de la personne. Il est descendu sans dire au revoir. Demande à voir les commentaires. C'est mon habitude en fait. Ah, pardonnez, je vous demande pardon, oubliez-moi s'il vous plaît. C'est que pour hier là, ça a été une grande coïncidence. Ah ouais, c'est vrai. Elle a dit aussi qu'elle était la femme de Bon Boy et sa baby mama. Exactement. Attends, tout ça dans le commentaire. Elle a dit ça. Ouais. Le commentaire était chaud hier. Je coupe le direct. Là, maintenant que c'est chaud, il faut que je coupe. Tiens, t'as attrapé. Prenez vos Yamakuji. Prenez vos tout ça. Prenez tout ce que vous là, dites des choses, allez commencer là, regardez. On fait les partages, le titre, ça commence à énerver Waka. Tout à l'heure, quand je vais prendre les enfants à l'école. Le linge sale, je nage en famille. Kakadé dit de demander à Waka, elle est amoureuse de l'enfant. Je ne pas si ça va arrêter ça là. Moi, j'ai fait quoi? C'est moi qui parle. Moi, pourquoi vous voulez savoir ça? Et puis, moi, j'ai pas de mise ça. Moi, je ne sais rien. C'est Piezo qui a fait le reportage hier. Impassible, c'est Piezo qui a fait le reportage hier. Waka. Vous voulez voir mon bébé? Vous voulez voir mon bébé? Mais non, mais Piezo dit de demander à Waka. Il dit Piezo. Kakadé dit de demander à Waka le dernier poste qu'elle a fait sur sa page là. C'était pour qui? Voilà. Yvan. Oui, moi-même, j'ai vu le poste même. Oh, je vois le bébé. C'est bon, faut couper. Sinon, ils vont signaler à cause du bébé. Oui. Oh. Tout beau. Il y a combien de garçons? T'as une fille ou un garçon? C'est une fille. Le travail, il a été bien fait. Le travail, il a été bien fait. Ça, il a fait la journée. Voilà. À cause du bâtiment, ils sont très bien. 12, tu avais nous parler mal maintenant. Avant que je ne coupe, je vais lancer la personne qui veut savoir pour qui j'ai fait le dernier poste. Ça mérite un lion. Si quelqu'un envoie un lion, je dis, et puis j'explique tout. Ah, Wakade, quel dernier poste? Kakadé insiste que je vois. Est-ce que tu n'as pas 12, va voir le poste et puis tu reviens. J'explique tout. Et il est là lui bombarder les piments. Il est là pour bombarder les piments, sachez. Vous qui dites que quand on monte les bébés, ça va couper le live. Et les gens qui font les lives avec les bébés là. Ah, ça?
Tu sais, TikTok est parfois bon, bizarre. En fait, souvent, il signale. Ça coupe, il y a des directs, ça coupe pas, en fait. TikTok est trop bizarre. Donc, les gens là... Non, Adika va recharger, rien que pour toi. Il est 15h ce mois. Donc, il est 21h en France. À 21h30, je lance le direct. Dans quelques minutes, quoi, en fait. OK? Alors, Adika va se recharger pour donner, pour qu'on entende le poste. Ah, rechargez-vous bien, hein, parce que... Je ne peux pas parler. Toi, tu dis de répéter la question. Bon, là. On dit d'envoyer le lion, ils vont dire ton nom. En plus, là. Bon, tu sais que c'est le week-end, hein, tout est permis. Demain, je ne travaille pas en plus. Ben ouais. Tout est permis. Et puis, le fauteuil blanc, le fauteuil blanc du week-end, c'est du bien, s'il vous plaît. Le fauteuil blanc du week-end. Chez moi, je ne peux pas mettre mes sous. Mais mes sous, tu vas me donner baleine de mes sous, je reviens dans 30 minutes. Tu me dis 18h. Non, mais Waka. On parle de baleine. Franchement, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas, hein, franchement. Non, le lait sale que lave en famille est falsifiable. On va le faire. Tape l'œil là. Non, c'est pas pour toi seulement, hein, c'est pour tout le monde. Le lait sale que lave en famille. Pour tout le monde. Ah, madame de la barre, la bonsoir aussi. Pourquoi? Elle aime trop appeler Dominique Dodo. Mon Dodo. Comment vas-tu, mon Dodo? Elle a coupé le nom de la femme des gens. Dominique Dodo. Comment vas-tu, mon Dodo chou. Il y a le volume, on dirait le volume va exploser. Elle va te donner tes dodo. Ah, allez que c'est la week-end aujourd'hui. On est arrivé sur moi. On arrive. Mais attends, dans 3 minutes, je lance. Je ne viendrai pas. Moi, je ne suis pas sûre que c'est de la même. Non, mais elle est falsifiée. Comment moi, je peux lancer le billet, tu n'es pas là. Vous allez venir. Après, parce que c'est comme m'avait expliqué, ça me fait peur. Quelqu'un même qui a fait demande pour dire, elle monte à cause de moi. Seigneur. Lina Kayo a fait sur moi. C'est bon. Moi, il n'y a plus dit dodo chou. Oui. Les gens sont forts. Oh, il y a ce qu'ils ont dit. Que Boujadori a changé. Il a pardonné. Je suis dans la voiture maintenant. En train de parler, pour aller chercher les enfants. D'accord. 5 minutes à rigoler après, je coupe. 5 minutes. Restons 5 minutes à rigoler comme on faut. Faut laisser la vie dans notre temps. Arrête ça. Le petit m'appelle pour dire qu'on est sorti de là. Yeah, I'm coming. I'm almost there. I'm coming home. J'ai dit que ce soir, Lina, ça n'est rien de tout ça. Ok, bon appétit, Neusha. Neusha, bon appétit. En tout cas, Neusha, en fait, on peut charger ton téléphone, hein, c'est le week-end aujourd'hui. Parfois, on a besoin de te stresser, pas trop se prendre la tête, you know. Yeah. Ah, connons que j'ai été bloquée sur WhatsApp. Je souffrais. Je ne sais même pas que oui, elle dit on t'a bloqué sur WhatsApp. Mais je ne sais même pas. On t'a bloqué sur WhatsApp. Il parlait seul. Non, mais je ne parle même pas à quelqu'un sur WhatsApp. WhatsApp, c'est que dans non, le... Non, je vais vous expliquer cette partie tout de suite. Non, mais la fille... Waka peut mieux expliquer. Parce que franchement, je ne sais pas. Peut-être que ça a été... Conception de ouf. Voilà, les conception de ouf. Voilà, franchement. Voilà, c'est pas palabre, on va faire ça bien, so chic. Voilà, peut-être que la personne a confondu mon message, elle s'est sentie concernée. Franchement, attendez. Hey, cacadé. Quand je vais revenir, je vais prendre 30 minutes seulement pour prendre les dernières nouvelles. Faut prendre 12 heures, s'il te plaît. Ah, il est là. Ok, je ne regardais pas comme je conduis, attendez. Oui. Ah, même l'Ivoiricaine a fait sa demande, ok. Ah, on a la cour familiale. C'est que les papas sont en train de la bourgeoise. Attends, Waka. Ce poste-là, tu vas expliquer. Ce poste-là que tu as fait. Son dernier poste-là. Ton dernier poste-là. Moi, quand j'ai vu le ticket. Ton dernier poste-là. Maintenant, on va te menacer même. Si tu n'expliques pas, on va te signaler. Le gars vient en castagé. C'est depuis le poste-là, Kakadé a retrouvé Carmen. Maintenant, il s'appelle Kakadé. Hé, bourgeoise! Hé! Hé, bourgeoise! Hé! Bonjour, Nado. Comment tu vas, Nado? Ça va, je suis en pleine pause. Oui, ok. Nado, on est là, laver les salissiers.
On dit quoi, oh, qu'est-ce qui se passe avec ma star? C'est ta photo de professeur. Mais c'est ma bio. Oh, pardon, quand la déco y avait changé bien avant sa corps. Qui la soutient? Qui la soutient? C'est mon combat qui est là. Free ma bio, libérez ma bio, c'est le combat. Qui la soutient? Non, mais faut mettre justice pour ma bio, bien. Non, mais il n'y a pas de justice pour elle, c'est pas elle la victime. Ah, mais là, on demande sa libération pour qu'elle puisse rembourser les gens. Tu vas cotiser un peu pour qu'elle puisse rembourser. Amen, bolou, ayou. Et qui? Nazo, photo de Mabio, tu as choisi parmi tant de photos là. C'est bizarre, ouais, cette photo là. C'est ma préférée, c'est ce que j'ai vu, j'ai aimé. Où la photo, est la elle a fait les 14 millions, elle est belle là. Ah, Mabio. La photo là, c'est mon dieu, elle est rassasiée même. C'est ça, j'ai vraiment. Elle est rassasiée ça, façon. Voilà. Les 14 millions, l'enfer. C'est qui Dodo? L'enfer. Ah, c'est de Dominique. Oh. Il dit, laissez Dodo là-bas, il y a quoi? Blague à Paris, il a envoyé à la Maca. Que tu arrives, du coup. Non, ça, je lance dans 30 minutes, de toute façon, Neusha, dans 30 minutes, je lance. Pas la vérité. Elle a été déférée. Oh, c'est sérieux, là? Oui, elle a été. C'est pour cela que je dis que, quand je vais me connecter, on va prendre 30 minutes pour prendre les dernières nouvelles de Marco. Pour prendre les dernières nouvelles de Marco, après, on va aller... Et qui connaît ce que tu dis, là? C'est pas faux, hein? Non, c'est faux, c'est suspense. C'est pas possible. Donc, je reviens dans 30 minutes. Attendez, je vous laisse. Je vais parler avec la maîtresse. Hello, how you doing? I'm fine. Quelle maîtresse? Ah, la maîtresse, elle est là. Ok, Waka, on a après, oui. Peut-être qu'il est là. D'accord, Waka, faut couper. Ok, Waka, on va te saluer. Ok. Yeah.